Bien, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les personnels de l'administration, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette séance importante consacrée au vote du budget de la commune, un acte politique majeur chaque année. Avant d'ouvrir la séance, je vais passer donc la parole à Marie-Claude Chevrier qui a la responsabilité de procéder à l'appel. Marie-Claude. Vous m'entendez là? Oui. Richard Delpierre. Présent. Violaine Charpentier. Présent. Benoît Ribert. Présent. Lucie L'Oncle Duda. Lui Marie Soleil. Ouais. Ah, je le rappellerai tout à l'heure. Véronique Siadoux. Christophe Condorf. Présent. Martine Bélier. Présent. Jean-Louis Jarige. Présent. Aline Téménides. Philippe Collins, Gilles Bertin, Claude Joriot, Marie-Thérèse Kelly, Dominique Forget, Marie-Claude Chevrier présente, Monsieur Soleil présent, Janine Bataille, Simon Bonne, Patrick Berthomé, Jean-Michel Franger, Tanguy Odic de Kernen, Géraldine Arenès-Schneider, Marie-Laure Majou, Frédéric Darentière, Valérie Genquin, Annie Testu, Agathe Méry, Joséphine Parmentier, Martial Prado, Camille Ribert, Jean-Christophe Voiseux, Marc Sévely, Marie-Cécile Godot, Jean-François Pembry, Maurice Toledano, Philippe Rio, Nicole Alquier donne pouvoir à Karine Lemenet. Karine Lemenet, Laetitia Guénarvio, Fabrice Tabary, Stéphane Gors, Dorothée Bilger, Caroline Nocringer. Merci. Merci, Madame Chevrier. Avant d'attaquer les délibérations, nous allons procéder à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 23 février 2021. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Madame Lemenet, vous avez la parole. Oui, bonjour Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Je voulais un petit peu expliquer l'absence de mes collègues ce soir. Je vous en prie. Ça vous prendra 3 petites minutes si vous voulez bien. Je vous en prie, la gentillesse de m'écouter. Le Conseil d'État a décidé de suivre les recommandations politiques du ministère de l'Intérieur en faveur de l'équipe de Richard Delepierre. Intervention inédite dans un contentieux électoral. Cette décision a été prise à l'encontre des magistrats du tribunal administratif de Versailles qui avaient jugé le scrutin non sincère avec de nombreux arguments, des faits délictueux, un faible écart, 76 voix d'écart, soit 39 électeurs, une abstention record de 61%. Il nous faut assumer cette décision décevante parce qu'injuste, mais très injuste. Certes, conforme à la loi, cette assemblée communale ne représente pas la réalité du corps électoral du Chesnay-Rocancourt. À décision politique, réaction politique. Nous ne participerons pas ce soir au vote du budget, dont d'ailleurs l'adoption ne fait aucun doute par votre équipe. Nous constatons seulement qu'après nos années de gestion rigoureuse et ambitieuse, nous passons à une ère de dépenses injustifiées et incontrôlées, avec un accroissement de 6% du budget du personnel et un emprunt de 3,4 millions d'euros. Est-ce vraiment le moment, en cette période de Covid, avec toutes ses conséquences économiques et sociales ?
Bien entendu, notre absence de notre groupe ce soir, qui est inédite, ne signifie pas que nous allons déserter le champ municipal. Bien au contraire, avec détermination, courage et bon sens, nous continuerons à œuvrer dans l'intérêt des Chénécourtoises et Chénécourtois qui pourront suivre notre action sur notre blog Le Chénère au concours naturellement. Et naturellement, monsieur le maire, bonsoir. Bien, nous allons reprendre donc le cours de ce conseil avec l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 23 février 2021. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur le procès verbal? Si pas de souhaits, vous considérez que ce procès verbal est adopté à l'unanimité des membres présents. Je vous en remercie. La première délibération consiste en l'élection du président de séance pour l'adoption des comptes administratifs. Donc pour les élus nouveaux, je rappelle que le maire non seulement ne participe pas à l'approbation de ces comptes administratifs, mais doit quitter physiquement la salle. Donc je vais le faire à deux reprises pour le budget annexe de stationnement et pour le budget principal. Et donc pour cela, il faut que nous désignions un ou une présidente de séance pour ces deux délibérations. Et donc je vous propose Madame Violaine Charpentier, première adjointe, pour cet exercice. Y a-t-il d'autres candidats pour cette fonction? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de passer au vote. Madame Charpentier, qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci beaucoup. Madame Le Ménet et son pouvoir en ont quitté la séance et ne participeront pas à ce conseil. Délibération numéro 2 concernant donc la présentation et la validation du compte administratif du budget annexe service de location d'emplacement de stationnement. Je passe la parole à Monsieur Soleil. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir chers collègues. Dans une atmosphère souvent totalement détendue, nous allons pouvoir procéder au travail sur le budget. Voilà. Alors, on commence par le seul budget annexe qui nous reste, le budget annexe de location d'emplacement de stationnement. Et je vous invite à regarder le tableau qui vous est joint. C'est la pièce jointe numéro 1 à ce rapport de présentation. Et je vais vous expliquer rapidement comment les choses se présentent. Donc, vous avez une section d'exploitation en haut, une section d'investissement. En section d'exploitation, on a maintenant... Alors, je vais peut-être commencer d'ailleurs par rappeler ce qu'on a comme parking, parce que je pense que c'est probablement un rappel important pour tous. Voilà. Alors, nous avons... D'abord, ce budget annexe ne gère que les parkings en ouvrage. Il ne s'agit pas des places de parking en voirie. Donc, nous avons aujourd'hui le parking privé Schweitzer, qui est juste derrière la mairie, dans lequel il y a 136 emplacements propriété de la mairie, qui sont en général loués sur des contrats longue durée. 25 sont libres, 25 places étaient libres au 1er janvier 2021. Puis nous avons le parking public de la piscine, avec 99 emplacements, qui est contrôlé par un système de contrôle d'accès qu'on commence tous à connaître maintenant. Donc on prend des tickets en fonction du temps qu'on y passe ou des abonnements. Puis il y a le parking public des sports, donc à côté du tennis Trianon. Et puis le parking du Bel Air, qui est en face de l'hôpital à côté de l'établissement Blanche de Gastille, 92 emplacements. Le parking public du marché, qu'on appelle aussi le parking des silos, ou le parking de la rue des Deux Frères, 224 emplacements. Et le parking du site de l'enfance, où il y a 104 emplacements, mais simplement 20 places actuellement sont exploitées. Les autres sont encore gratuits et bénéficient en particulier aux instituteurs et institutrices. Voilà, donc le compte administratif de ce budget annexe révèle un certain nombre de choses. D'abord, on a dans la colonne exploitation, dépenses, 172 826 euros de charges à caractère général qui sont en fait ce qu'on paye à Cuparc pour les contrôles d'accès, les charges locatives et un certain nombre d'autres dépenses comme ça qui sont relativement constantes, si ce n'est incompressibles. Il y a des charges de personnel, puisqu'il y a en fait une partie, enfin le personnel qui gère ces installations de stationnement est du personnel ville. Donc on fait de la refacturation interne entre la ville et le budget annexe pour
enfin, exactement au prorata du temps passé. Il y a les amortissements, en fait, c'est une opération de transfert entre, enfin, une opération d'ordre, puisque ce que vous avez là en dépenses d'exploitation, vous l'avez en recette d'investissement en dessous. Et puis, il y a le résultat d'exploitation reporté de la dernière, ce qui veut dire que si c'est en dépenses, c'était une perte la dernière. Sur ce budget, nous avons déjà perdu 81 000 euros en exploitation. Et donc, ça apparaît ici, dans les dépenses d'exploitation, le 1er janvier de l'année, quand on commence avec ça. Alors, en face, ben, on a les recettes. La première ligne qui s'appelle « Vente de produits fabriqués », ce sont en fait les loyers, les loyers des parkings du site Schweitzer. Et vous voyez qu'en 2020, on a constaté 84 523 euros de recettes. Et puis, on a les autres produits qui sont en fait le résultat de ce que les gens payent quand ils utilisent ces parkings payants. Et donc, on a constaté en 2020 125 227,27 euros de recettes de fonctionnement, recettes d'exploitation, alors qu'on a constaté aussi 372 493,93 euros de dépenses. Donc, on a un déficit en section de fonctionnement ou d'exploitation de 247 269 euros et 66 centimes. En investissement, on a effectivement peu de choses. On avait des reports de dépenses. Donc, ce que vous voyez ici, immobilisation corporelle, c'est essentiellement des reports. On a le remboursement de la dette parce que pour financer tous ces travaux dans ces parkings, il a fallu qu'on emprunte d'abord 800 000 euros en 2018-2019, puis 80 000 la dernière, ce qui fait, ou 70 000, ce qui fait 880 000. Donc, on doit rembourser le capital, comme à chaque fois qu'on emprunte quelque chose. Et puis, donc on a en face dans les recettes de l'année 2020, l'emprunt qu'on a contracté cette année, donc 80 000 euros, les amortissements qui font 83 000 euros, et puis le solde d'exécution d'investissement reporté, puisque la dernière, on avait en investissement un bénéfice avant les reports. Donc, on a au global un résultat d'exécution d'investissement qui est positif de 85 302 euros. Voilà comment se situe le budget d'annexe, le budget annexe d'emplacement de stationnement, donc un lourd déficit en exploitation et pour le moment un léger bénéfice, enfin un bénéfice en investissement, qui est d'ailleurs compensé partiellement par les reports d'investissement, puisqu'il y a des restes à réaliser en dépenses d'investissement pour 84 000 euros et rien en recettes d'investissement. Donc les reports sont négatifs de 84 000 euros, ce qui compense à peu près le résultat d'investissement de 85 302 qu'on vient de constater. Voilà, monsieur le maire. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur la présentation détaillée de ce compte administratif? Si pas de souhaits d'intervention, je vais me retirer. Merci, monsieur le maire. Alors, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, merci. Vous pouvez revenir, monsieur le maire. Merci, madame Charpentier. Donc, nous avons fait le choix d'organiser les délibérations par thème. Nous restons donc sur les sujets stationnement. Monsieur Soleil, vous pouvez reprendre la parole sur le compte de gestion du même budget pour l'exercice 2020. Alors, monsieur le maire, j'ai une petite objection sur cette organisation, puisque, je suis désolé, on n'en a pas parlé juste avant. Le compte de gestion, la délibération sur les comptes de gestion est agglomérée avec celle sur le compte de gestion du budget principal. Or, pour valider les comptes de gestion, on fait référence au compte administratif. Donc, on la passe après. Donc, je pense qu'il est préférable de parler d'abord du compte administratif du budget principal. Alors, on va faire le compte administratif du budget principal, allez-y. Bon, c'est la délib numéro 6. C'est la 6, je crois, oui. Donc, si vous y êtes tous, on est délibération numéro 6. Je vais vous proposer de passer directement sur les tableaux. Et en particulier, nous allons commencer par la pièce jointe numéro 4. Je vous présente les tableaux habituels de synthèse
des dépenses et des recettes de fonctionnement et d'investissement. Donc on peut commencer par la pièce jointe numéro 4. Donc le compte administratif, c'est bien le réaliser pour le budget principal de la ville, le réaliser de l'année 2020. Donc, en synthèse sur les dépenses de fonctionnement, on voit qu'on est en sous-réalisation par rapport à ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire qu'on avait prévu, colonne de gauche, 49 562. Il faut que je prenne ma tablette parce que sinon j'ai un peu de peine à lire. Voilà, 40 582 500. Et en fait, nous n'avons dépensé que 42 556 794. Alors, quels sont les postes sur lesquels il y a des écarts importants? La masse salariale, il y a un écart de 708 000 euros entre ce que nous avions budgété et ce qui a réellement été fait. C'est-à-dire que c'est une économie, 708 000 euros, qui correspond essentiellement à des embauches qui n'ont pas eu lieu à l'époque où on avait espéré qu'elles aient lieu. Elles ont été un peu retardées, ce n'est pas toujours facile de recruter des personnes. Des heures sup qu'on avait budgétées qui n'ont pas été appelées. Des vacataires qu'on avait pensé mobiliser, qui n'ont pas été mobilisés, tout ça pour une raison simple, qui est la baisse d'activité. Dans la gestion des services, on a aussi une économie de 2 716 000, qui correspond essentiellement à un déficit d'activité au bâtiment, à la voirie et à l'informatique. Alors, dans tous ces services qu'on connaît tous bien maintenant, d'abord, l'activité est liée à la demande, et la demande a été un petit peu en baisse, en particulier les petits travaux ont été diminués. Et puis, il y avait aussi probablement une petite baisse d'effectifs qui n'a pas permis de réaliser tout ce qu'on aurait souhaité réaliser. Les amortissements sont aussi un petit peu plus bas que ce qui était prévu. Je rappelle que les outils de gestion pour suivre les amortissements ne sont pas aussi précis que dans une entreprise privée et qu'il y a un certain nombre d'incertitudes sur les amortissements. Ils avaient été évalués plus prudemment à 1,7 million et en fait, nous ne sommes arrivés qu'à 1,428 000 euros d'amortissement. 438 000. Donc globalement, nous sommes à 85% d'exécution budgétaire en dépenses et donc nous avons dépensé moins que prévu. Si on passe maintenant à la pièce jointe numéro 3, qui correspond aux recettes de fonctionnement. On a d'abord une bonne surprise sur les droits de mutation. Les droits de mutation sont aussi assez difficiles à prévoir. Donc là, ils avaient été évalués prudemment. Et d'ailleurs, nous recommencerons pour l'année prochaine. Donc on a une bonne surprise à hauteur de 800 000 euros. 900 000 euros même. Les produits d'exploitation, en revanche, eux sont en baisse, tout simplement parce que vous voyez que sur la piscine, l'aquagym, on a un fort déficit par rapport à ce qui avait été prévu, 293 000 euros. Sur ce qui est culturel, donc en particulier les spectacles, on a là aussi une perte de recettes de 300 000 euros. Donc tout ça s'explique assez simplement. Sur les produits domaniaux, on a une baisse sensible sur les droits de voirie et les redevances concessionnaires, vraisemblablement liées là aussi à une activité en baisse, en particulier tout ce qui est de déménagement. Parce que bien entendu, on a fait des remboursements ou on a fait des remises sur les droits de voirie des commerçants qui nous l'ont demandé, mais ça représente quand même relativement peu de choses. Pour arriver à 100 000 euros, on a là la conséquence d'une baisse d'activité généralisée. En revanche, on peut constater qu'on a un surcroît de recettes par rapport à ce qui était prévu sur les concessions du cimetière, ce qui est le résultat d'un travail très important qui a été réalisé cette année pour mettre à jour ces concessions. Donc beaucoup de relances ont été envoyées et finalement beaucoup de gens ont renouvelé leurs concessions, ce qui a fait un pic de recettes au cimetière. Voilà, et puis on a un petit déficit aussi de subventions CAFI, qui est lié là aussi à une baisse d'activité de la petite enfance. Donc, les recettes néanmoins, et en particulier grâce aux droits de mutation, les recettes sont à peu près à la hauteur de ce que nous attendions, même un petit peu en excès par rapport à ce qui était attendu. Et donc, entre une baisse de dépenses de 7 millions, à peu près 7 millions, et puis 225 ici, on arrive à un résultat d'exploitation de 7 200 000, je vais essayer de vous le trouver maintenant,
7 230 000 euros de résultats d'exploitation, de résultats positifs d'exploitation. Donc, si vous voulez bien, on peut passer aux recettes, aux dépenses d'investissement. C'est le tableau 2, PJ2. Alors, je rappelle qu'en investissement, 93% de ce qui était budgété, c'était des reports dont nous avions hérité de la mandature précédente, ce qui est normal, et 7% correspondant à des propositions nouvelles. En dépenses, dans le tableau du haut, vous voyez trois gros montants qui dépassent un peu. Pour tout ce qui est travaux d'équipement administratif, on a 1 883 000, ça correspond en fait à la fin des travaux du nouveau CTM. Et puis on a 4 400 000 sur les équipements sportifs, c'est la suite de l'aménagement ou du réaménagement de la rénovation complète des gymnases Pelloir et Curva. Et sur l'aménagement des voies, on intègre dans cette dépense les 200 000 euros approximativement qui ont été dépensés sur l'aménagement de la placette, le jardin des senteurs, etc. Après, en équipement des services, donc on a quand même une sous-réalisation en investissement en travaux d'à peu près 50%, ce qui était à peu près ce qui se passait précédemment. Nous espérons pouvoir être un petit peu plus réalistes à l'avenir, mais là, malheureusement, on a fait avec ce dont on a hérité. Après, en équipement des services, on a une sous-réalisation notable aussi sur l'informatique. Mais on va essayer de rectifier progressivement le tir. Là, on a aussi un problème de ressources pour faire tout ce qu'il faudrait qu'on fasse en informatique. Je souligne aussi la subvention aux logements sociaux dans les divers, 497 000 euros, dont 425 000 sont la subvention que nous avons versée au bailleur social Séquence pour les logements de la rue de l'impasse Mouchotte. Et donc, nous avons au global une sous-réalisation de la section d'investissement en 2020, assez importante, puisque nous avions prévu 24 300 000 de dépenses d'investissement et que nous avons réalisé 13 415 000 de dépenses d'investissement, qui sont financées par des recettes d'investissement. C'est la pièce jointe numéro 1. Alors, d'abord, les fonds et dotations sont à peu près conformes à ce qui était prévisible. Enfin, pas complètement, parce qu'on a une taxe d'aménagement qui est extrêmement difficile à prévoir. Donc, elle est toujours sous-évaluée. Et cette année, on a reçu l'avis de l'État qui nous l'a positionné beaucoup plus haute que ce qu'on avait prévu, parce qu'on avait prévu 100 000 euros de taxe d'aménagement et qu'on a reçu 518 000 euros de taxe d'aménagement. Pour le fonds de compensation de TVA, eh bien, il est moins élevé que prévu, puisqu'il avait été prévu sur la base de ce qu'on avait envisagé de faire et qu'on a fait moins que ce qu'on avait pensé faire. Je rappelle que le fonds de compensation de la TVA est reversé l'année des dépenses. Alors les trois premiers trimestres de l'année sont reversés en fonction de ce qu'on connaît effectivement, le quatrième est estimé. Sur les subventions, eh bien, nous avons touché une partie des subventions correspondant au projet, programme que nous avons effectivement mené, sachant qu'un certain nombre des subventions sont perçues à la fin des programmes et qu'un certain nombre de programmes importants ne sont pas terminés. Par exemple, ni le gymnase Curva ni le gymnase Pelloir ne sont tout à fait terminés. Dans les recettes d'investissement, bien évidemment, il faut prendre en compte l'emprunt. Donc l'année dernière, il avait été souscrit un emprunt de 2,6 millions, qui était un report de l'année 2019, et nous avions, nous, budgété en juillet 2020, un complément d'emprunt de 2 370 000. Donc nous n'avons effectivement appelé que le premier emprunt, celui qui était reporté, 2 611 000, et celui que nous avions voté en juillet n'a pas été appelé. Il n'y avait pas de cession d'actifs, hormis un véhicule de fonction pour 2 500 euros. Quoi vous dire encore? Alors nous avions aussi, c'est très important, en bas de page, colonne de gauche, vous voyez une ligne qui s'appelle excédent de fonctionnement capitalisé. Enfin, vous voyez trois lignes d'ailleurs. Une première ligne qui s'appelle virement de section de fonctionnement. Ça, c'est le virement que la section de fonctionnement, que le bénéfice que la section de fonctionnement permet de basculer
en recettes d'investissement. Puis vous avez excédent de fonctionnement capitalisé, ça c'est ce qui avait été pris du résultat d'exploitation 2019 et qui avait été affecté à la section d'investissement 2020. Et puis vous avez l'excédent reporté de 2020 puisque on investit de 2019 puisqu'en investissement 2019 il y avait eu un bénéfice qui est reporté ici. Donc entre le virement de la section de fonctionnement 2020 et les deux excédents de fonctionnement et d'investissement capitalisés, nous avions une recette de 24,3 millions. Alors les excédents sont bien au rendez-vous puisque nous les constatons et nous arrivons, avant tout virement de section de fonctionnement, nous arrivons à des recettes d'investissement pour l'année 2020 de 11 955 millions, alors qu'en face, nous avions en dépenses d'investissement 13 414, ce qui correspond à un déficit d'investissement pour l'année 2020 de 1 459 480. Donc voilà, je vous résume le compte administratif. En fonctionnement, plus 7 230, en investissement, moins 1 459. Sachant que les reports de la section d'investissement, qu'il faudra bien inscrire au budget 2021, présentent un solde positif d'1 100 000. Voilà. Y a-t-il des souhaits d'intervention à l'issue de cette présentation technique, mais très nécessaire, du compte administratif du budget principal de la ville pour 2020? Si pas de souhait d'intervention, je sors, vous me laissez sortir, Madame Charpentier. Et... peut-être qu'on va vous faire rentrer. Mais je voulais ajouter que la présentation était aussi pédagogique. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Merci. Monsieur le maire, vous pouvez revenir. Merci Madame Charpentier. Je vous propose donc de reprendre le cours normal des délibérations et de revenir donc à la délibération numéro 3, compte de gestion, budget principal et budget annexe pour l'exercice 2020, Monsieur Soleil. Vous avez de nouveau la parole. Alors, le compte de gestion, que ce soit pour le budget principal ou pour le budget annexe, c'est en fait ce qui correspond à un état comptable des finances de la ville qui est établi par le comptable public. Et c'est donc une synthèse de tout ce qui a été mouvementé dans l'année, que ce soit en recettes ou en dépenses, et qui d'ailleurs auquel on associe, le comptable associe tous les justificatifs correspondants. Alors en fait, l'idée c'est que ce compte de gestion vous est soumis, il est d'ailleurs annexé, peut-être que certains ont eu la curiosité de l'ouvrir, on ne va pas le détailler maintenant, d'autant plus que l'idée c'est que ce compte de gestion soit strictement au centime près égal à ce qui a été présenté en compte administratif, et que ce qui vous est demandé, c'est si vous avez constaté des anomalies ou si vous avez des réserves à émettre sur ce compte de gestion, vous les signaliez maintenant. Donc, on vous propose à la fois de valider le compte de gestion pour le budget annexe en placement de stationnement et à la fois de valider le compte de gestion pour le budget principal de la ville. Y a-t-il des... ou d'apporter des remarques ou réserves. Voilà. Y a-t-il des souhaits d'intervention, de remarques sur les deux comptes que nous venons d'approuver? Pas de remarques, pas d'observations. Ces deux comptes de gestion sont approuvés à l'unanimité. Je vous en remercie. Délibération numéro 4, budget annexe, service de location d'emplacement de stationnement, affectation du résultat pour l'exercice 2020. Monsieur Soleil. Alors voilà, chaque année, en fonction de ce qu'on constate comme résultat en exploitation d'une part et en investissement d'autre part, on est appelé à affecter le bénéfice éventuel du résultat d'exploitation. Exploitation dans le budget annexe et fonctionnement dans le budget principal. On n'affecte pas le résultat de la section d'investissement, on affecte uniquement le résultat de la section d'exploitation. Avec une obligation qui est de couvrir le besoin de financement de l'investissement lorsqu'il y en a un. Donc ici, nous venons de voir que en investissement, nous avons constaté
un résultat positif de 85 302 euros, mais un report de dépenses de 2020 sur 2021 de 84 533 euros, c'est-à-dire que la section d'investissement présente un solde très légèrement positif de 768,84 €. Donc, premièrement, on n'a pas besoin de financer un besoin de financement, parce qu'il n'y a pas de besoin de financement. Nous pourrions cependant affecter une partie du résultat d'exploitation, s'il y en avait un, en partie sur l'investissement. En l'occurrence, le problème ne se pose pas vraiment, puisque la section d'exploitation est déficitaire de 247 268 euros. Donc, tout simplement, ce qui vous est proposé, c'est de prendre acte du fait qu'on ne peut pas affecter de bénéfices d'excédent d'exploitation. Et donc, le résultat de 2020 restera en dépenses d'exploitation au budget 2021 et le résultat d'investissement restera aussi au budget 2021 tel qu'ils sont. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Pas de souhaits d'intervention, on passe au vote. Vote contre, des abstentions à l'unanimité. Merci. Dernière séquence pour la partie budget de fonctionnement, le budget primitif pour l'exercice 2021. Monsieur Soleil. Alors, pour remplacement ce budget annexe, après ce qu'on a vu précédemment, on vous propose le budget primitif tel qu'il apparaît sur le document qui s'appelle PJ1. De la délibération numéro 5. Et nous constatons la chose suivante. Nous avons toujours les charges à caractère général qui sont détaillées ici, donc l'eau, l'assainissement, l'électricité, le contrat de prestation de service avec Cuparc, 156 000 euros, etc., les charges locatives, etc. On arrive toujours à un total qui, cette année, cumule 169 000 euros, mais comme je vous l'ai indiqué, on est toujours dans les mêmes eaux que les années précédentes. Et on restera vraisemblablement pendant un certain nombre d'années dans les mêmes eaux. Et puis vous avez les frais de personnel. La dernière, on avait 19 000, là on a mis 20 000 en budget, ce qui correspond à peu près à ce qu'on fait habituellement. Vous avez les intérêts des emprunts. Vous avez la dotation aux amortissements qui s'équilibre, qui est ici pour 92 000 en dépenses d'exploitation et qui s'équilibre avec une recette identique. En recette d'investissement, pardon, pour 92 000. Et puis, pour équilibrer la section d'investissement, on va y venir, on a prévu un virement d'autofinancement de 8 000 euros de la section d'exploitation vers la section d'investissement. Ce qui nous fait, et bien sûr, tout à fait en bas, résultat reporté, 247 258 000 euros, c'est le déficit qu'on vient de constater pour l'année 2020. Ce qui nous fait 546 000 euros de dépenses à financer en exploitation. Alors, on n'a pas le choix, le budget doit être équilibré, donc on les a fait apparaître en recettes recettes espérées en exploitation en 2021, à hauteur de 130 000 pour les loyers de Schweitzer et 416 000 pour les autres recettes. En investissement, eh bien, on a des reports. On a le remboursement du capital de la dette. On a des équipements nouveaux pour 30 et 20 000 euros. Et en face, pour financer ces dépenses d'investissement, on a l'excédent reporté de l'année précédente, puisqu'on avait un excédent d'investissement, je vous le rappelle, 85 000, plus la dotation aux amortissements, plus le virement de la section d'exploitation qu'on vient de voir. Et donc, on arrive à un budget d'investissement équilibré à 189 000 euros. Voilà, je vous passe la parole. Je pense qu'il y aura des commentaires. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Monsieur Gors, vous avez la parole. Oui, oui, vous m'entendez ? Oui. Très bien. Bonsoir à tous. On en avait parlé effectivement lors de la commission des finances. On est dans une situation qui est, et on peut se le dire, j'ai envie de dire assez librement, qui est finalement assez catastrophique. Bon, peut-être peu importe le terme, mais et on voit bien qu'il va falloir prendre des décisions. Si vous le souhaitez, notre groupe est prêt à travailler pour identifier des solutions parce que nous considérons que cette situation ne peut pas perdurer.
et qu'il va falloir trouver des voies et moyens pour rééquilibrer, pour trouver quelque chose qui soit raisonnable, etc., compte tenu des chiffres. En tout état de cause, puisque de toute façon, nous n'avons pas le choix, que voter contre n'aurait strictement aucun sens. Nous voterons favorablement, mais dans l'esprit que je viens d'évoquer, à savoir la nécessité de restructurer ce budget. Voilà. Monsieur Gorge, je vous remercie. Je vous remercie aussi pour votre bon sens et votre sens de la responsabilité politique, mais je n'en attendais pas moins de vous. Donc, bien évidemment, nous aurions aussi été, je ne le cacherai pas, assez choqués que vous votiez contre, sachant qu'à l'origine de ce budget, il y a le travail de l'équipe précédente, sachant que chacun peut se tromper, donc on ne critique pas le fait qu'il y ait eu des erreurs commises sur ce budget. Mais aujourd'hui, on doit faire face à une situation qui est effectivement un peu délicate, et bien évidemment, nous acceptons votre proposition de travailler avec vous sur des solutions à venir. Nous en avons quelques-unes dont nous pourrons vous faire part, que nous pourrons partager avec vous, et peut-être que vous nous en apporterez, ce qui serait la meilleure des choses pour l'intérêt des Chênes-et-Courtois. Bien, et pour compléter, je n'oublie pas que j'étais dans la majorité précédente et donc j'ai voté ces budgets, donc je suis solidaire de l'équipe précédente sur cette partie-là. Je ne sais pas si la situation était catastrophique, elle est assurément préoccupante. Il y a un problème structurel dans ces budgets, donc on sera évidemment preneur de toutes les bonnes idées. On a quelques pistes, mais les pistes qu'on a actuellement ne permettent pas d'imaginer un redressement à brève échéance. Après, c'est le patrimoine de la ville, il faut qu'on y travaille collectivement, donc on sera ravis de pouvoir avoir un travail en coopération sur un sujet compliqué. Pas insoluble, mais compliqué. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention? Sinon, on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Nous en avons terminé, si je ne m'abuse, avec le stationnement. Nous avons déjà approuvé le compte administratif de la ville. Monsieur Soleil, je vous passe donc la parole pour l'affectation du résultat pour le budget principal exercice 2020. Merci, monsieur le maire. J'essaie de retrouver. Là, c'est la 7. Voilà. Donc, nous venons de procéder à la même affectation de résultats pour le budget annexe, donc ici le principe est le même. Nous venons de constater un excédent de fonctionnement sur le budget principal de la ville 2020 de 7 230 941. Nous avons affecté ce résultat, sachant que par ailleurs, nous avons constaté aussi un déficit de la section d'investissement de 1 459 486,93, complété par des reports à nouveau qui se traduisent par un solde créditeur de 1 100 347 €. Donc le besoin de financement global de la section d'investissement suite à l'exercice 2020 s'élève à 359 139 €, c'est-à-dire la différence entre moins 1 459 000 de résultats plus 1 100 000 de solde créditeur de report. Donc, nous sommes dans un premier temps dans l'obligation de financer ce besoin de financement de la section d'investissement, c'est-à-dire de, au minimum, reporter 359 139,93 € du résultat net cumulé de fonctionnement 2020 en section d'investissement. La question qu'on peut se poser après, c'est que est-ce qu'on veut privilégier le financement de l'investissement ou est-ce qu'on veut privilégier le financement du fonctionnement? Compte tenu de la façon dont se présentent les choses, compte tenu des contraintes auxquelles on a à faire face, compte tenu des incertitudes qu'on ne maîtrise pas toutes, nous proposons, nous, de conserver, hormis ce besoin de financement qui, comme vous l'avez compris, est un seuil, un plancher, hein, de préserver le reste et de garder en section de fonctionnement pour éventuellement, mais vous le verrez dans le projet de budget principal, budget primitif du budget principal, avec une prévision d'autofinancement relativement importante. Voilà, c'est notre façon de voir les choses. Donc, nous vous proposons d'affecter le résultat de la façon suivante, 359 139,93 € en section d'investissement et 6 871 801,71 € qu'on maintiendrait en section de fonctionnement. Merci, monsieur Soleil. Y a-t-il des souhaits d'intervention, monsieur Gors? Oui, je vais être très bref. Naturellement, cette affectation du résultat est un choix politique, c'est le vôtre. Donc, pour notre part, nous nous abstiendrons.
C'est bien noté. Merci. On va donc passer au vote. Pas de vote contre, 3 abstentions et le reste à la majorité. Merci. Délibération numéro 8 qui porte sur la subvention d'équilibre du Centre communal d'action sociale. Le CCS a hier en conseil d'administration approuvé son budget. Je remercie Lucie Loncle-Duda d'avoir assuré la présidence de cette séance puisqu'elle se tenait simultanément avec celle du conseil d'administration de Versailles Grand Parc. Une des composantes importantes du budget du Centre communal d'action sociale, c'est la subvention que la commune verse pour équilibrer ce compte et qui correspond bien évidemment à un certain nombre de prestations que la ville demande au CCS d'assurer. Donc je vous fais grâce des modalités de calcul qui sont jointes, mais le CCS donc demande aujourd'hui une subvention d'équilibre de 635 000 euros pour l'exercice 2021. Ce montant progresse de 40 000 euros par rapport à la subvention accordée en 2020 et correspond à la perte de produits locatifs supplémentaires que subira cette année l'activité hébergement des seniors au sein de la résidence autonomie des Chênes Verts, puisque le nombre, vous le savez, de logements vacants doit encore progresser pour être en mesure d'engager la rénovation de cet établissement et la rotation des résidents pendant ces travaux qui auront lieu en milieu occupé. Ils ont demandé à l'Assemblée d'attribuer cette subvention d'équilibre de 635 000 euros, qui est un montant évidemment important, mais qui témoigne de l'engagement de la ville auprès de ses seniors. Et nous savons combien cette année l'activité du CCS était essentielle, et combien la mobilisation des équipes du CCS, notamment dans cette crise Covid, a été forte, et elle l'est toujours à l'heure où on se parle. Le versement de cette subvention, si vous la votez, s'effectuera naturellement en fonction des besoins en trésorerie du CCS. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Madame Bilger. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, nous souhaiterions avoir quelques explications sur l'augmentation des dépenses. Autant la baisse des recettes est bien explicitée, effectivement, par les logements vacants, autant en termes de dépenses, nous avons bien cru comprendre que les dépenses de personnel était augmenté par l'embauche d'une assistante sociale. Et par ailleurs, par contre, pouvez-vous nous expliciter l'augmentation des dépenses pour les seniors, s'il vous plaît? Ceci n'a pas d'incidence sur notre vote, hein, qui sera positif évidemment, mais il s'agit bien d'avoir l'explication, s'il vous plaît. Eh bien, je vais passer la parole à Lucie Loncle-Duda, qui va essayer de vous éclairer sur les points sur lesquels vous souhaitez des précisions. Non. Est-ce qu'on entend ? Bonsoir, c'est beaucoup mieux. Merci pour cette question, parce que c'est vrai que le budget du CCS se délibère au sein d'une autre instance que celle-ci, et ce qui me permet un petit peu de vous réexpliquer la portée du budget que l'on a adopté hier soir et de la vision du CCS qu'on souhaite porter pour l'année précédente et toutes les années qui suivent. Et donc, en effet, il y a des augmentations en dépenses de personnel parce qu'on repense le CCS que l'on souhaite porter pour la ville, au Chênes-Rocancourt, avec des pôles qui seront beaucoup mieux dédiés selon les fonctions, donc le pôle social qui reste, et un pôle logement qui va être un petit peu la grande nouveauté à partir de cette année pour permettre l'arrivée des résidences sociales à la fin au dernier semestre de cette année et un nouveau travail sur le logement social qui avait déjà été entamé par Philippe Collins. Pour vraiment permettre aussi cet accompagnement social des personnes de la ville qui ont ces besoins-là. Sur le social, on reste sur un accompagnement fort des personnes qui en ont besoin. On avait voté un budget pour les aides facultatives l'année dernière qui n'a pas été totalement consommée parce que les aides sociales de l'État restant en l'État. Il y a eu peut-être moins de demandes que ce qu'on aurait pu imaginer, mais donc voilà, on maintient un taux un budget en tout cas d'aide sociale important pour justement pouvoir faire face aux potentielles demandes qui pourraient arriver l'année prochaine.
Donc voilà, et puis après, bon, il y a des dépenses qui sont qu'on avait déjà engagées, on pensait engager l'année dernière, comme l'analyse des besoins sociaux, donc une obligation légale, où quand on arrive au bout des 6 mois, on doit la faire. Donc comme les résultats arrivent au premier trimestre 2021, c'est budgété pour 2021. Et après, on garde les mêmes dépenses que habituellement avec le service de maintien à domicile et notamment l'offre guidage que l'on a lancée cette année qui est vraiment un service par le CCAS qui est gratuit d'accompagnement des personnes âgées pour les aider à rester à domicile. Et toujours les activités du pôle senior, les aides au transport, enfin, vraiment une offre envers les seniors pour les aider à bien vivre dans la ville, rester à domicile et toujours aussi cette lutte contre l'isolement des personnes âgées. On sait à quel point c'est important dans ce contexte. Donc voilà, toute cette offre qu'on essaie de développer pour avoir un CCAS bien dans sa ville et puis vraiment à disposition de ses habitants. Est-ce que ces éléments vous ont éclairé ? Merci beaucoup, Lucie. Si pas d'autres souhaits d'intervention, on va donc passer au vote. Qui vote contre, qui s'abstient à l'unanimité. Merci pour notre centre communal d'action sociale. Nous allons rester dans le domaine des subventions, mais cette fois-ci, nous allons parler des subventions aux associations. Avant de passer donc la parole à M. Dick Duternen, je voudrais remercier l'ensemble du Conseil qui s'est très fortement impliqué dans cet exercice important et sensible. Monsieur Odic Ducarnen, vous avez la rude mission d'assurer de manière synthétique le résultat des travaux et l'attribution de ces subventions. Un tout petit peu de patience. Le son va arriver jusqu'à vous. Monsieur le maire, merci. Vous êtes là. Merci, Monsieur le maire, de me donner la parole pour cette lourde tâche que nous avons accomplie avec les élus, les administratifs. Donc, la présente délibération a pour objet de statuer sur le montant des subventions qu'il est proposé d'allouer au titre de l'exercice 2021 aux associations de loi 1901 en fonction de l'intérêt local et de leur objet, de leur action en faveur des Chênais courtois. Ces propositions, comme vous l'avez dit, résultent d'un important travail réalisé par les administratifs de la commune, les élus, mais aussi certaines personnes qui se sont investies. Je citerai M. Jean-Michel Vanger et M. Jean-Christophe Oiseux. Dans le cadre des compétences depuis le début d'année, le 29 janvier, date limite fixée aux associations pour déposer leur dossier de demande de subvention au titre de la campagne 2021. Mais nous avons été larges puisque nous avons accepté des dossiers qui sont arrivés après cette date butoir. Il s'agit donc de procéder à l'examen des éléments motivant la demande formulée et l'adéquation de l'action de la structure en direction des Chênais courtois, et bien entendu de la pertinence des projets envisagés pour l'année 2021. Évaluer la cohérence du montant demandé au regard de la situation financière propre de l'association, notamment le volume budgétaire inévitablement marqué par l'impact de la crise sanitaire liée à l'épidémie du SARS-CoV-2, sur les activités. Produits des cotisations au niveau des dépenses, résultats comptables 2020, réserves et fonds associatifs disponibles et d'autres informations qui nous ont été fournies. Et la part que représente la subvention de la commune dans le budget de l'association. Rencontrant certains présidents d'associations et leurs équipes pour apprécier la problématique spécifique lorsque cela s'est avéré nécessaire. Mettre aussi en cohérence les propositions de montants qu'il est proposé d'allouer pour le secteur et entre secteurs au regard de l'enveloppe budgétaire prévisionnelle. Enfin, il convient de rappeler que des avances sur ces subventions ont été accordées à certaines associations sportives
et l'école musique du Chesnay pour leur permettre de faire face à leurs dépenses courantes de fonctionnement au cours du premier trimestre de l'année 2021, dans l'attente de l'attribution de la subvention municipale complète de ce jour. Une délibération est intervenue en ce sens le 16 décembre 2020. Les montants définitifs de subvention ne peuvent donc être inférieurs aux avances que nous avons consenties. La procédure d'instruction des dossiers s'est achevée par des séances d'arbitrage réunissant l'ensemble des membres du conseil municipal. Et quand je dis bien l'ensemble des membres du conseil municipal qui souhaitaient s'impliquer dans cette démarche d'attribution des subventions pour 2021. Il est donc proposé à l'Assemblée d'attribuer des subventions de fonctionnement aux associations pour l'exercice 2021, conformément à la liste ci-jointe, pour un montant de 1 103 240 euros. De ne pas accorder de subvention aux associations dont les dossiers n'ont pas été retenus. Après délibération du conseil municipal, la liste des subventions accordées sera annexée à ce budget primitif de 2021. Puis chaque subvention ou solde de subvention pour les associations bénéficiant d'avance fera l'objet d'un versement unique qui tiendra lieu au mois de mai prochain. Enfin, il est précisé que lorsque l'association bénéficie d'une subvention dont le montant annuel est supérieur à 23 000 euros, la loi fait obligation de conclure une convention pluriannuelle qui définit l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention allouée. Nous avons aussi décidé donc d'accorder ce montant pour l'année 2021 d'un montant de 1 103 240 euros. Mais il a été décidé aussi de ne pas accorder de subvention aux associations suivantes qui ont formulé une demande en respectant ou non le formalisme attendu du dossier et le délai imparti. Je nommerai Spread Love, œuvre hospitalière française de l'Ordre de Malte, l'Association pour la recherche et l'étude de l'Égypte ancienne, Rire 78, les Amis du Chaudron COP, Association chénésienne King Kong, Association Tennis Club de Versailles, liée au plateau Saint-Antoine. Voici Monsieur le maire. Merci beaucoup, Monsieur Dick de Carnen. Y a-t-il des souhaits d'intervention avant que nous passions au vote? Je crois qu'on a eu le temps de bien échanger. Alors, s'il y a des conseillers municipaux qui souhaitent, pour une raison qui leur appartient, ne pas participer au vote d'une ou l'autre des associations, parce qu'ils en sont membres, voilà, qu'ils le disent maintenant, sinon on procédera à un vote global. Donc, je ne vois pas de main se lever, donc je vais vous proposer un vote global sur cette subvention aux associations. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Ces subventions sont adoptées à l'unanimité et je vous en remercie pour le tissu associatif dont vous savez qu'il est riche mais assez durement éprouvé en cette année Covid et donc je crois que le soutien de la ville unanime sera important pour leur permettre, je l'espère, d'attaquer une rentrée plus sereine que celle qu'ils ont connue en septembre dernier. Nous allons maintenant passer à l'examen et à l'approbation du budget primitif pour le budget principal de l'année 2021. Présentation que je ferai à deux voix avec M. Soleil. Je vais évidemment vous épargner le document obligatoire, c'est-à-dire la délicieuse instruction comptable M14, qui reste quand même d'une lecture particulièrement aride. Vous avez par-devers vous les tableaux de synthèse beaucoup plus exploitables, donc qui vous présentent section de fonctionnement et d'investissement en dépenses et en recettes. Il nous revient de vous présenter bien évidemment les principales caractéristiques de ce projet qui reprennent pour l'essentiel ce qui vous a été dit lors du débat sur les orientations budgétaires du 17 mars dernier. Ce budget traduit évidemment pour partie l'exécution de notre projet politique, mais il s'inscrit dans un contexte spécifique lié à cette année 2021 qu'il est important de resituer. En premier lieu, le prolongement de la pandémie Covid et ses conséquences sur les modes de vie et activités individuelles. Les incertitudes sur la sortie de cette crise impactent directement les hypothèses sur de nombreuses activités communales.
fréquentation des services publics, dépenses exceptionnelles pour faire face aux exigences sanitaires et accompagner les personnes les plus durement touchées en particulier. Une menace précise est avérée sur les budgets de fonctionnement des années suivantes à compter de 2022, liée à la non-conformité de la commune avec les exigences de la loi SRU en matière d'offres de logements sociaux, notamment ses conséquences financières. Ainsi, la pénalité prononcée à l'encontre de la commune va constituer un poste de dépense de fonctionnement récurrent de l'ordre de 1,2 million d'euros pour l'année 2022, puis plutôt voisin de 1,5 à 1,7 million d'euros pour les années suivantes. Rapporté au montant global du budget de fonctionnement communal, ces dépenses sont importantes. Le financement de cette charge supplémentaire doit être anticipé dès maintenant en vue de disposer des ressources suffisantes et pérennes en temps utile. Les investissements des collectivités locales qui sont encouragés par des aides de l'État dans un certain nombre de directions ciblées, le plan de relance, la mise en œuvre pour réduire l'impact récessif de la pandémie de Covid-19, encourage en particulier les investissements dans le domaine de la transition énergétique et des économies d'énergie. Nous nous efforcerons naturellement d'inscrire notre commune dans cet effort national. Le niveau d'endettement de la commune, qui n'a pas fait d'investissement majeur depuis une dizaine d'années, est relativement bas, autour de 650 euros par habitant pour une moyenne nationale de la strate à 1050 euros. Il représente donc un gisement de financement naturel à des conditions d'accès au crédit particulièrement favorables, vous le savez, pour renouveler le patrimoine de la ville et permettre d'étaler le financement d'équipements par ceux qui les utiliseront plus tard. Par ailleurs, le compte administratif 2020, Louis-Marie Soleil vous l'a rappelé, met en évidence un résultat de fonctionnement de 7,2 millions d'euros et un résultat d'investissement négatif de 1,4 million d'euros, avec un solde de report sur 2021 de 1,1 million d'euros. Dans ce contexte, les principes suivants ont guidé l'élaboration du budget primitif pour l'année 2021. En premier lieu, une évaluation prudente des recettes de fonctionnement rendues particulièrement incertaines par le prolongement de l'épidémie de Covid-19, que ce soit les droits de mutation ou les produits d'exploitation et les produits domaniaux. L'hypothèse prise en compte, celle que j'ai demandé à l'équipe de travailler, est celle d'une reprise normale de l'activité en juin 2021. C'est une hypothèse de travail, mais c'est celle que j'ai demandé à avoir retenue. Avec en particulier une réouverture des salles de spectacle en juin, avec un remplissage des salles limitées à 50%. Le montant des droits de mutation est peu prévisible et a été estimé avec modération, et c'est le moins qu'on puisse faire. Les moyens humains doivent être renforcés dans de nombreux secteurs, aux services techniques notamment, voirie, centre technique municipal et bâtiments, à l'urbanisme, à la direction du numérique et aux services stationnement. La dépense de fonctionnement à prévoir en 2022 au titre de la pénalité SRU, pour 1,2 million d'euros, est identifiée et mise en réserve dès cette année dans la rubrique dépenses imprévues. Les dépenses de fonctionnement sont évaluées au plus juste de façon à conserver au budget sa qualité d'indicateur représentatif de la politique et de l'action publique. En investissement, la part des dépenses reportées représente encore 41% des investissements prévus. Il s'agit pratiquement en totalité des queues de programme engagées sous la mandature précédente et que nous devons naturellement déterminer. Parmi les presque 60% de dépenses d'investissement correspondant à des propositions nouvelles, une fraction importante est nécessitée par l'état des lieux des installations. Ne peuvent plus être repoussées, par exemple, la remise en état des chaussées et des trottoirs devenus indispensables, nous y consacrerons 600 000 euros cette année, ou les achèvements de sites qui n'avaient pas été prévus, je pense à l'aménagement du parvis du centre technique municipal et un certain nombre d'aménagements extérieurs au gymnase Curva pour un montant global de près de 830 000 euros. Ou encore la rénovation indispensable de bâtiments trop longtemps négligés, tels que l'école de musique pour 465 000 euros ou le club house du gymnase Corneille pour 290 000 euros. L'aménagement de parcs et d'aires de jeu, comme le parc Aubert et un certain nombre de squares pour enfants, pour 210 000 euros. Ces dépenses représentent encore 2,5 millions d'euros, soit presque 30% des propositions dites nouvelles. Parmi les choix autres qu'imposés, qui reflètent, eux, le début de l'exécution effective de notre projet politique, je vais donc laisser Louis-Marie Soleil détailler en fonctionnement puis en investissement ces choix qui caractériseront une partie de notre budget primitif 2021. Voilà, merci Monsieur le Maire. Donc je vous propose d'observer la pièce jointe numéro 3, qui est celle qui va s'afficher, qui correspond aux dépenses de fonctionnement. Puis nous allons balayer rapidement, ou pas rapidement d'ailleurs, mais enfin dans un premier temps rapidement, après s'il y a des questions, on pourra insister un petit peu, les dépenses de fonctionnement. Donc d'abord, nous avons des participations obligatoires, celles sur lesquelles, comme leur nom l'indique, on ne demande pas notre avis, qui sont budgétées. Donc c'est tous les fonds de compensation, les fonds de solidarité, etc., nationaux ou régionaux, qui sont budgétés pour un montant assez similaire à celui de cette année. Vous constaterez qu'en face de la ligne prélèvement SRU, il n'y a rien. Évidemment, nous sommes toujours sous le coup de l'exonération de prélèvement SRU au titre du rapprochement des communes
et c'est la dernière année que nous pouvons en profiter, si on peut dire les choses comme ça. En matière de subvention et de participation, donc la subvention du CCRS, on vient de la voter. On peut noter que la participation aux écoles privées pour les élèves de la commune qui sont scolarisés chez eux augmente, alors tout simplement parce que nous sommes très en retard et qu'on n'a pas mis cette dépense à jour depuis plus d'une dizaine d'années, ce qui est relativement injuste. Donc, et puis en plus, nous sommes soumis à des obligations légales que nous ne respections pas. Donc nous nous mettons en conformité et avec les obligations et avec l'équité, ce qui nous coûte un petit peu d'argent, mais ça fait partie des choses qu'on redresse petit à petit. Les subventions aux associations, pas de commentaire, on vient d'en parler. Je dirais par chance, et puis parce que les associations ont joué le jeu, on arrive à un montant qui est à peu près similaire à celui de l'année dernière. La masse salariale, qui a déjà fait couler un tout petit peu de salive, augmente effectivement de façon significative. Alors pourquoi ? D'abord parce qu'il y a un certain nombre de services qui sont sous-effectifs par rapport à ce qu'on leur demande de faire. Et je pense que l'exercice que nous avons fait avec la direction des ressources humaines et les services d'ailleurs seront probablement appréciés par les services eux-mêmes, parce qu'un certain nombre de services, comme les services techniques, les services de l'informatique, sont quand même actuellement en sous-effectif par rapport à ce qu'il faudrait qu'ils puissent fournir comme travail. Et puis, il n'y a pas que des embauches, il n'y a pas que des créations de postes, il y a aussi un certain nombre de conséquences. Nous avons budgété dans l'année 6 tours d'élection, 2 tours de municipal, 2 tours de régional et 2 tours de départemental, ce qui coûte en heures sup à peu près 265 000 euros. Il faut bien que les gens qui payent pendant les week-ends, le dimanche, soient rémunérés. Donc ça, n'en déplaise à certains, je crois que c'est quand même une excellente initiative. Et je pense que et les services et les électeurs sont contents qu'on mette des gens, qu'on paye des gens à faire le travail. Après, dans la gestion des services, on est à peu près à l'équilibre. Alors, en bâtiment, on reste on a un petit peu augmenté ce qui était prévu, ce qui avait été fait cette année, parce qu'on pense qu'il y a d'abord plus qu'il y a du travail à faire, et puis on pense que ce sera peut-être un petit peu plus facile. On reste à peu près dans. Alors je regarde quels sont les postes qui sont les plus significatifs. Il y a effectivement la propreté des bâtiments, je m'y perds un peu dans les colonnes. Mais ce qu'il faut comparer, c'est la réalisation 2020 et puis le budget 2021. Donc la réalisation était à 40 650 000, on prévoit effectivement 43 794 000. Les dépenses imprévues, on vient d'en parler, elles sont très élevées cette année, puisque en fait elles abritent 1,2 million de réserves pour pouvoir financer en 2022 la pénalité SRU, qui sera au rendez-vous. Et puis nous avons les dotations aux amortissements qui sont dimensionnés pour 1,4 million. Une prévision de virement à la section d'investissement pour 4,2 millions. Et on arrive à un budget de fonctionnement de 51 530 000. Donc ça, ce sont les dépenses de fonctionnement. Je vous propose de passer aux recettes. C'est la pièce jointe numéro 6. Voilà. La fiscalité directe, nous en avons parlé tout à l'heure, est ISO, enfin elle est constante. Elle est légèrement modifiée à cause de, comme vous le savez, le changement de base, mais les taux, si on les valide ainsi tout à l'heure, seront constants. Les droits de mutation, nous sommes revenus à une évaluation prudente, pas pour le plaisir, mais parce que simplement on a beaucoup de peine à les anticiper. Les dotations de l'État sont relativement constantes. Les produits d'exploitation sont un petit peu supérieurs à ce qu'on a connu cette année parce qu'on espère qu'on pourra reprendre une activité. Les recouvrements et produits domaniaux, les recouvrements divers sont du même ordre. Les produits domaniaux sont un petit peu, comme les produits des services, sont un petit peu supérieurs à ce qu'on a connu cette année. On espère revenir petit à petit à une activité normale.
Les subventions sont du même ordre. La recette, l'excédent de fonctionnement qu'on vient de voter de l'année 2020 vers l'année 2021 pour 6 871 apparaît bien là en recette et il ressort de cette présentation des prévisions de dépenses et des prévisions de recettes qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter la fiscalité pour équilibrer le budget de fonctionnement. Donc si vous voulez bien ou bien vous posez des questions tout de suite sur le fonctionnement, ou bien on prolonge par la section d'investissement, c'est comme vous voulez. Je prolonge, je vous en remercie. Donc, nous passons au tableau numéro 4 qui représente les dépenses d'investissement. Alors, dans les dépenses d'investissement, eh bien, je vais vous lister un petit peu parce que, effectivement, ce qui apparaît ici dans les lignes n'est pas très explicite. Alors, je pars des dépenses de travaux, équipement administratif. Alors, qu'avons-nous mis dans équipement administratif ? Équipement administratif, on a un certain nombre d'études. Vous les avez vues quand on avait voté, quand on avait parlé des orientations budgétaires, dont le schéma directeur énergie. Les études représentent effectivement 300 000 euros de ce montant. On a aussi beaucoup de travaux de mise aux normes de l'hôtel de ville, incendie, ascenseur, isolation partielle dans un certain nombre de bureaux dans lesquels les gens ont un peu de peine à travailler l'hiver. Les dépenses de travaux qui s'appellent résidentiel, ça correspond à l'entretien des logements de la ville. Les équipements sportifs, les gros postes, ce sont la rénovation du club house du gymnase Corneille, essentiellement pour des raisons énergétiques, mais pas uniquement. C'est aussi la raison de confort des occupants. Et puis, nous avons la poursuite de la rénovation de Pelloir pour 210 000 euros et la suite des quelques reprises d'aménagement sur le tennis club, qui est un projet qui dure aussi un petit peu, sur lequel nous avons budgété 100 000 euros pour terminer à peu près les choses. Les dépenses de travaux pour le secteur scolaire, ce sont les entretiens des maternelles, Chèvreloup, Boucher-Bastier, Jean-Louis Forain, Perrault, ce qui représente 170 000 euros, et puis des écoles, Molière et Chèvreloup en particulier, pour 160 000 euros. Dans le culturel, il y a la rénovation de l'école de musique, monsieur le maire a cité, pour 465 000 euros. Là aussi, on n'a pas tellement le choix. Vu l'état dans lequel est cette école, elle n'est pas accessible. C'est un gouffre à terminer, donc on estime qu'il est temps de remettre les choses un peu d'aplomb. On peut noter le début des travaux pour la salle culturelle polyvalente du Bourg pour 100 000 euros, 90 000 exactement. En fait, ça correspond à la démolition de l'édifice actuel. En jeunesse, ce sont des travaux de rénovation nécessaires au village des enfants. Petite enfance, pareil, des travaux de rénovation classiques dans les crèches, dont la climatisation de certains espaces ciblés. On a des crèches qui sont faites de telle façon que dans certaines crèches, il est nécessaire de prévoir un peu de climatisation pour que les enfants puissent y séjourner l'été et puis que le périscolaire puisse éventuellement y avoir lieu aussi. Ou l'extrascolaire, je ne sais plus comment ça s'appelle à ce niveau-là. Ça dépend de l'heure. L'atelier mécanique, c'est le renouvellement normal du parc pour 200 000 euros. Mais on peut souligner l'acquisition d'une navette électrique 9 places qui servira à rapprocher le bourg du centre-ville. Des achats de vélos et véhicules électriques et vélos assistants électriques pour les services jeunesse et propriétés urbaines. Ça ne représente pas grand-chose, mais en tant qu'effort et en tant que volonté de changer un petit peu les habitudes, ça vaut la peine d'être souligné. En voirie, on a beaucoup de dépenses qui sont prévues. Des réfections de chaussées et trottoirs, je dis bien des réfections, on ne fait rien de neuf, bien évidemment. Mais on a, comme vous l'avez déjà entendu dire, on a réalisé un diagnostic qui est quand même assez pessimiste sur l'état de nos chaussées, donc il faut commencer. Beaucoup de travaux nous attendent, et si on ne veut pas laisser les choses dans l'état dans lequel on les a trouvées, il est grand temps de commencer. Bon, on ne peut pas tout financer de la première année, donc là, on a 750 000 euros de réfection de chaussées et de trottoirs, des mises aux normes et création de places de stationnement PMR, des aménagements de quais de bus pour 250 000 euros, des études qui sont liées au plan communal de déplacement urbain, des aménagements qui feront suite au PCDU pour 100 000 euros, des pistes cyclables, on en a parlé aussi, ça fait partie de notre volonté politique, pour 400 000 euros, l'aménagement du parvis du CTM dont on hérite, puisqu'on ne peut pas laisser les abords du CTM dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui, ça représente quand même un budget de 600 000 euros.
L'aménagement extérieur du gymnase Curva, 230 000 euros. Là non plus, nous n'avons pas vraiment le choix. Nous reprenons, et ça c'est aussi une volonté politique, l'enfouissement des réseaux aériens, mais évidemment, on ne fera pas de miracle. Comme chacun sait, l'enfouissement des réseaux aériens, c'est très coûteux, même si on est aidé. Donc là, il y en a quand même pour cette année pour 370 000 euros par communal. Et ça correspond à l'enfouissement du réseau électrique sur la partie est de la rue de Glatigny. La reprise des bornes électriques qui étaient précédemment exploitées par Autolib, mais il va falloir mettre un petit peu d'argent au pot pour qu'on puisse en faire ce qu'on veut, les utiliser efficacement. Des aménagements urbains, c'est essentiellement, on en a parlé tout à l'heure, et je sais que ça irrite un peu, mais enfin nous avons budgété des box à vélo, des travaux de marquage au sol suite au PCDU et des horodateurs, puisque nous on a la joie de bénéficier d'horodateurs sur notre ville. Et donc ça nécessite de temps en temps d'étendre le réseau et enfin, les implantations. L'éclairage public, il y a d'une part tout ce qui est la poursuite du programme d'entretien préventif du réseau, dont nous avons parlé il y a peu de temps avec certains membres de l'équipe, au sens large, et la mise en éclairage d'une portion de l'avenue Charles de Gaulle en LED en tant que pilote, puisqu'on a un problème d'éclairement, on éclaire trop fort nos rues. On a maintenant un peu de difficulté à créer des zones de contraste pour mettre en évidence les passages cloutés. Donc il faut qu'on réfléchisse à d'autres solutions. La première solution que nous proposons de mettre en œuvre, c'est de changer complètement l'éclairement des rues, et pour ça on fait un essai sur Charles de Gaulle en les passant en LED. Les espaces verts, ce que nous avons mis en évidence, c'est la nécessité de rénover certains squares pour les enfants et aires de jeu, 130 000 euros. Comme vous l'avez vu dans le dernier bulletin, magazine municipal, on refait en particulier le square des Petits Rocs avec un superbe bateau pirate qui plaira beaucoup à mon petit-fils. L'aménagement des terrains d'activité au parc Aubert, parce qu'on a actuellement deux cours de tennis et un terrain de jeu qui ne servent pas à grand-chose, si ce n'est de temps en temps à des gens qui sont vraiment très volontaires, parce que les terrains ne sont pas en très bon état. On estime qu'il peut être intéressant d'en faire quelque chose d'utile à tous. En termes d'équipement des services, donc c'est le deuxième pavé. Alors il y a beaucoup de dépenses dans le numérique, donc il y a en particulier des dépenses pour nous protéger contre tout ce qui risque de cyberattaque. Il y a un certain nombre de dépenses pour des contrôles d'accès des équipements sportifs, notamment en Curva et le CSL, Aéroconcours. Des équipements pour les écoles, aussi 200 000 euros quand même, pour équiper les écoles de façon un petit peu normale, je dirais. Nous poursuivons l'extension du réseau de caméras vidéo, ce qui induit des dépenses et en numérique et en voirie. Et puis des logiciels de gestion dématérialisés pour le secrétariat des assemblées et pour nous faciliter la vie en général. Alors, par ailleurs, nous avons budgété 1 million d'euros pour soutenir la réalisation de logements sociaux, qui correspond à 300 000 euros pour la résidence sociale qui est prévue rue de Versailles, à côté au 86-88, là, et 700 000 euros pour la rénovation de la résidence autonomie des Chênes Verts. Ça n'est qu'une partie des 1 500 000, 1 500 000 qui est demandé par CDC Habitat. Nous essaierons de payer 700 000 euros cette année pour optimiser un petit peu l'équation paiement des subventions aux logements sociaux et réduction de la pénalité SRU, puisque vous savez que l'un peut compenser l'autre. Donc pour budgéter, pour financer ces investissements, nous comptons sur l'autofinancement, puisqu'on en a déjà parlé, 4,2 millions de virements plus 1,4 million de dotations aux amortissements. Le fonds de compensation de la TVA qui a été évalué à 2,823 millions. Les cessions d'actifs qui sont déjà inscrites au programme, donc le terrain de la ZAC du Bourg pour 775 000 euros, l'ancien parking devant le restaurant Hippo pour 700 000 euros, et puis le 62 boulevard Saint-Antoine pour lequel nous avons des promoteurs intéressés et une évaluation des domaines à 617 000 euros. Et les subventions, bien sûr, que nous essayons d'obtenir de façon la plus efficace possible et qui ont été budgétées avec une certaine prudence pour 1 300 000 euros. Pour compléter le financement de la section d'investissement, nous sommes effectivement devant la nécessité d'inscrire au budget une prévision d'emprunt de 3,4 millions supplémentaires en plus des 2,3 millions qui sont
reporté. 2,3 millions que nous avons inscrits cette année en 2020, que nous n'avons pas appelés, que nous reportons. Et en plus de ces 2,3 millions, pour équilibrer le budget, nous sommes amenés à vous proposer un emprunt complémentaire éventuel, parce qu'on peut, on peut ne pas l'appeler, de 3,4 millions. Voilà, monsieur le maire, les détails de ce que nous avons l'intention de faire. Bien, avant de passer la parole à l'opposition, ce qui est tout à fait naturel, juste repréciser, donc merci monsieur Soleil de cet éclairage détaillé. Vous l'avez compris, on a fait un choix fort en matière de ressources humaines. Nous mettons des moyens pour soit permettre aux services de retrouver un effectif leur permettant de faire face aux obligations qu'on leur demande. Je pense notamment aux services dits prestataires, bâtiment, la voirie, l'informatique, qui travaillent pour l'ensemble des autres services. Si on veut que ces services délivrent, il faut qu'ils aient les moyens d'assurer leur mission, et nous considérons qu'ils ne les avaient plus depuis un certain temps. Nous avons fait ce choix-là, il est pleinement assumé. Je veux remercier l'ensemble des services qui, sur le reste de la partie fonctionnement, ont fait des efforts remarquables pour nous permettre de dégager des moyens pour assumer ces choix en matière de ressources humaines. En matière d'investissement, on a fait le choix, au travers des nombreuses conférences budgétaires que nous avons eues avec les services, de laisser remonter l'ensemble des demandes, et nous n'avons rien vu passer de scandaleux dans les propositions d'investissement qui nous ont été faites par l'ensemble des services. Mais nous avons été obligés de faire des choix, parfois des choix drastiques, je pense notamment à la voirie où les besoins sont colossaux, mais pour lesquels nous avons fait des choix pleinement assumés. Nous étalerons le rattrapage qu'il y a à faire. Pour autant, cet exercice était important. Il nous a permis de mesurer l'ampleur de la tâche. Il nous a permis aussi de nous projeter dans l'avenir. Nous n'avons pas évoqué, et nous reviendrons lors d'une prochaine séance du Conseil sur le plan pluriannuel d'investissement. Nous avons quelques opérations importantes. Je pense notamment à la rénovation de l'école Langevin et à la piscine, des réalisations que nous ferons sur cette mandature, mais dont nous savons qu'elles nécessiteront des besoins de financement importants. Ce qui nous a donc amené, ça fait aussi partie des choix, à renoncer à un certain nombre de projets d'investissement qui étaient tout à fait légitimes et fondés, mais que nous n'avons pas inscrits dans ce budget 2021, qui se veut, on va dire, raisonnablement ambitieux. Mais nous sommes encore, et ça a été dit en début d'intervention, dans une structure de budget, nous avons un certain nombre de coûts partis à assumer. Il faut que nous terminions un certain nombre d'opérations dans de bonnes conditions. Ça représente une part significative du budget d'investissement que nous vous présentons. Voilà ce que je voulais dire avant de passer la parole à l'opposition. Monsieur Gorce, je présume que, puisque vous avez tombé le masque, c'est que vous souhaitez parler. Merci beaucoup. Oui, on va faire quelques remarques. La première, un petit peu générale, est sur les recettes. Comme vous le savez, dans le cadre de la crise, le gouvernement a mis en place donc un plan de relance qui se traduit aujourd'hui par de nombreux appels à projets. Et c'est vrai que toutes les collectivités territoriales les plus petites et les plus importantes travaillent, identifient les appels à projets qui existent de façon à y répondre, et obtenir des financements. On y reviendra tout à l'heure quand on regardera la délibération numéro 15, mais nous considérons qu'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose à faire pour aller chercher ces recettes, qu'elles soient en fonctionnement ou en investissement. C'est un travail. Nous, ce qu'on voit dans d'autres collectivités, c'est il y a un travail interne d'équipe un peu dédié à ce genre de choses. Alors, bien entendu, on n'est pas dans les mêmes dimensions, hein, et on va y revenir dans une seconde. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai travail à faire pour aller chercher donc ces recettes. Ça, c'est le premier commentaire. Le second, naturellement, est relatif aux dépenses de personnel. Elles augmentent, hein, si je compare le réel de l'an dernier au budget de cette année, elles augmentent de quasiment 6%, puisqu'on passe de 21,8 à 23,1 millions d'euros. Alors, je vais venir un petit peu en avance de phase sur la délibération numéro 29, la toute dernière, où effectivement vous annoncez d'ores et déjà l'embauche de 19 personnes. Alors, bien entendu, et on y reviendra, ces 19 ne sont pas que des embauches brutes, si je puis dire. Il y a des façons d'internalisation, d'intégration, de remplacement, mais malgré tout, on est en train de parler de 19 personnes donc, qui vont rejoindre ce que dans mon langage j'appelle le payroll, enfin, donc voilà, la paix, si je puis dire, de la commune. Et c'est vrai que dès lors qu'on embauche quelqu'un ou qu'on internalise, il s'agit de dépenses sur le long terme.
Hein, ça, faut bien l'avoir en tête. Alors, à partir de là, quand on regarde les dépenses de fonctionnement, et si j'enlève les 1,5 million d'exceptionnels, d'imprévus, hein, on sait tous à quoi c'est destiné, on arrive malgré tout à une augmentation des dépenses de fonctionnement de 8%, ce qui représente à peu près 3,3 millions, dont 1,3 million de personnel. Alors, le petit exercice auquel on s'est, qu'on s'est amusé à réaliser a consisté à regarder les dépenses de fonctionnement hors, naturellement, virement à la section d'investissement. On arrive à 47,3 millions, donc en dépenses. Si je regarde les recettes, et donc si je regarde les recettes de fonctionnement hors les excédents, on a 44,6 millions. Donc, ça veut dire qu'on arrive à un déficit primaire, alors je ne sais pas comment le qualifier, de 2,7 millions. Si à ce déficit, je retranche les fameux 1,5 million d'imprévus, hein, et on est là-dessus, on n'a pas de doute là-dessus, on arrive à une impasse, entre guillemets, d'1,2 million, qui correspondent peu ou prou, mais là, c'est notre interprétation, à l'augmentation des frais de personnel. Ça, c'est un petit peu pour la partie fonctionnement. Pour ce qui concerne la partie investissement, alors c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu dans la situation que un certain nombre d'entre vous critiquaient, si je puis dire, les années précédentes en disant, ben oui, on sait bien que vous allez vous annoncer un fort montant d'investissement et puis en réalité, vous allez avoir à produire tout ça. Donc, mais voilà, on est dans une situation qui nous semble assez identique. Nous, ce qu'on remarque, c'est que sur certains sujets, on a un petit peu de mal à comprendre votre vision. Par exemple, et naturellement, il n'y a pas de jugement sur l'école de musique, mais vous choisissez un projet sur l'école de musique, sur le clubhouse de Corneille. On a besoin de comprendre un petit peu en quoi ça s'inscrit dans vos priorités. Alors, pour ce qui concerne la voirie, je poursuis. Vous mettez un budget de 750 000 euros. Quiconque s'intéresse un petit peu à ces sujets-là sait qu'avec 750 000 euros, on va pas très loin, on fait quand même pas grand-chose. En revanche, sur la partie cyclable, les pistes cyclables, alors là effectivement, vous avez un budget relatif qui est considérable puisque vous mettez 450 000 euros donc au budget. Je dois reconnaître qu'on trouve que c'est beaucoup au regard de ce qui est mis donc sur la partie voirie. Et puis dernier point donc sur cette partie investissement, mais hein, ce sont juste des exemples. On rentre pas dans le détail. Vous prévoyez 600 000 euros sur le parvis du CTM. On a le sentiment qu'avec 600 000 euros, on peut faire beaucoup de choses. Bref, sur ce budget d'investissement, on voit, en tout cas, nous considérons qu'il y a un manque de lisibilité, qu'il y a beaucoup de saupoudrage. C'est la raison pour laquelle, globalement, nous ne voterons pas votre budget. Bien, je ne vais pas répondre sur tous les points. Vous revenir juste sur deux sujets, puisque vous évoquez le clubhouse de Corneille et l'école de musique. Ce sont des bâtiments qui sont à rénover depuis de très, très, très longues années. Voilà, pour ceux qui ont été amener leurs enfants à l'école de musique, cette école voilà, est dans un état d'élaborement avancé. Quand l'an dernier je me suis présenté pour le conseil d'administration et que les fenêtres n'étaient pas fermables, voilà, on arrive quand même à un niveau de déshérence qui est indigne d'une ville de notre standing. L'accessibilité PMR, c'est un sujet qui est sur la table depuis de très longues années. Voilà, on ne peut pas rentrer en fauteuil dans cette école. Donc on a fait des choix, on a parlé, nous, pendant la campagne du handicap. À un moment, il faut que ça se traduise. Donc les chantiers sont très nombreux, il fallait choisir un certain nombre de bâtiments un peu emblématiques. On a fait le choix de l'école de musique. Bien évidemment, il est discutable. Il y a aussi d'autres bâtiments très voisins qui sont dans un état à peu près équivalent. Mais voilà, on fait ce choix-là, un peu symbolique, mais je crois qu'il rappelle qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de manques dans l'entretien de nos bâtiments et notre voirie. Sur la voirie, je ne peux que partager votre constat, et M. Bonne, dont je devine la tête du visage même masqué, bien évidemment, est parfaitement conscient. On a fait les diagnostics, on sait qu'on pourrait dépenser 5 ou 6 fois plus. Après, il y a la capacité à étudier, à dépenser. On en revient sur les ressources humaines. On aurait pu mettre 600 000 euros plus. Après, il faut être capable de les consommer. Donc, on a fait le choix d'avoir un budget qui nous paraît
qui nous paraît consommable au sens premier du terme. Donc on y met les moyens humains. Moyens humains, on va les voter là, on sait très bien que les délais de recrutement ne sont pas instantanés, hein, donc on est conscient, on a tenu compte de la réalité de ce que nous pourrions recruter et des moyens financiers que nous mettrions à disposition des services pour réaliser ça. Mais les efforts de rattrapage sont importants. Après, je vous le dis, on essaie aussi d'être raisonnable et d'anticiper sur un certain nombre d'opérations importantes que nous souhaitons faire. Donc le rattrapage se fera au fil du temps. Ce qui nous guide, c'est effectivement, je l'ai dit, l'effacement du handicap dans un certain nombre de bâtiments dont nous avons la responsabilité, la lutte contre les déperditions d'énergie. Et vous savez que dans le bâtiment emblématique de l'hôtel de ville, nous sommes dans un bâtiment qui est très chaud l'été, très froid l'hiver. Donc on a là aussi du travail à faire. Donc on va y aller pas à pas, mais on voulait symboliquement, dans ce budget, traduire dans la réalité ce que nous avions évoqué pendant notre campagne. En tout cas, merci pour vos interventions. Monsieur Soleil, je vous redonne quelques instants le micro avant de passer au vote. Oui, je voudrais ajouter deux petites choses sur vos remarques, monsieur Gorce. Vous avez, à juste titre, souligné la baisse de nos capacités d'autofinancement sur le budget de fonctionnement tel qu'il est là. C'est tout à fait vrai, mais je pense qu'il faut qu'on aille un peu plus loin que cette analyse. On a fait exactement la même analyse que vous, je vous rassure, on ne découvre pas ça. Premièrement, on a été obligé de prendre un certain nombre d'hypothèses qui sont conservatrices en matière de, sur un certain nombre de sujets, comme les réserves. Les réserves sont en dehors, vous l'avez dit, mais les droits de mutation, par exemple. Cette année, la surprise qu'on a est de 900 000 euros. Et puis, on a été obligé aussi de tenir compte du fait qu'on n'est pas sorti du Covid. Je rappelle que l'année dernière, en 2020, le coût Covid en exploitation se monte, c'est un peu difficile, il va falloir qu'on fasse une analyse plus fine, mais un déficit entre 1,5 million et 2 millions. Qu'on risque fort, puisque comme on peut le constater tous encore aujourd'hui, qu'on risque fort de retrouver cette année. En tous les cas, nous, on a pris, comme on vous l'a dit tout à l'heure, prudemment une hypothèse à reprise d'activité au milieu de l'année. Donc nous espérons qu'effectivement, nous n'aurons pas à nous confronter à une réduction progressive de notre autofinancement, ce qui serait effectivement très ennuyeux. Quant au choix d'investissement qu'on a fait, pour compléter ce que vient de dire Monsieur le maire, ça rejoint aussi votre plan, votre remarque numéro 1. On chasse, entre guillemets, on cible les subventions qu'on nous propose. Et aujourd'hui, le plan de relance nous propose de faire des travaux et de relancer l'investissement national avec des travaux de rénovation des bâtiments les plus consommateurs d'énergie. Et plus on peut anticiper des économies d'énergie importantes, plus on reçoit facilement et de façon importante des subventions. Alors pourquoi l'école de musique et pourquoi le gymnase Corneille ? Il suffit d'aller dedans, on verra que ça fait partie des bâtiments qui sont les plus dispendieux en énergie qu'on puisse avoir. Donc effectivement, quand on a soumis des projets à subvention, enfin aux gens qui nous proposent des subventions, ils ont sélectionné l'école de musique et Corneille parce que c'est des bâtiments pourris tout simplement. Et d'ailleurs, les subventions sont importantes. C'est pour ça, donc c'est un effet d'aubaine, c'est un opportunisme, à mon avis, de bonne aloi que de choisir en priorité 1 ces bâtiments. Monsieur Gorce. Oui, brièvement pour compléter ou revenir ce que vient de dire Monsieur Soleil. J'insiste, les appels à projets ne concernent pas que l'histoire des bâtiments, des économies d'énergie de bâtiments. Ils concernent une multitude de sujets. Il faut aller sur les sites de tous les ministères. C'est un tout petit peu compliqué, mais ça concerne beaucoup de sujets en fonctionnement et en investissement. Et je me permets d'insister sur ce point-là parce que des collectivités, d'autres collectivités, on le verra tout à l'heure, sont plus, armées pour aller les chercher. C'est bien noté. Je vais donc vous proposer d'approuver le budget primitif du budget principal pour l'exercice 2021 pour notre commune, tel que présenté dans le document joint, arrêté équilibré en dépenses et en recettes, à 22 960 000 euros en section d'investissement et 51 530 000 euros en section de fonctionnement. Y a-t-il des votes contre ? 3 votes contre, des abstentions. Ce budget est adopté à la majorité. Je vous en remercie. Délibération suivante importante qui concerne la fixation des taux d'imposition des taxes directes locales pour l'exercice 2021, même si le sujet est un peu défloré. Monsieur Soleil, je vous donne la parole afin que nous votions les taux. Ouais, le sujet reste intéressant parce qu'on change de système en fait. Donc je vais me reporter au... Alors en fait, jusqu'à présent, et je pense qu'il ne vous a pas échappé, on est sur un...
On est sur un changement de taxation, enfin d'application des taxes communales. La taxe d'habitation est en train de disparaître. En 2023, aucun d'entre nous ne paiera plus une taxe d'habitation. Et d'ici là, les produits de la taxe d'habitation, ou bien ceux qui sont payés, sont versés directement et nous sont reversés, mais on ne les perçoit pas directement, ou bien ceux qui ne sont plus versés sont compensés par l'État. À partir de cette année, on nous propose un nouveau système, c'est-à-dire que la compensation sera faite par... on remettra en fait dans les compétences de la commune le fait de décider du taux de taxe foncière en ajoutant à l'assiette communale, l'assiette départementale. Je peux même vous lire ce que nous a envoyé notre ministre délégué au compte public, qui nous explique ça très bien, donc je vais me faire le plaisir de lire sa prose. Pour compenser à l'euro près de manière dynamique la perte de produits qui résulte de la suppression de la taxe d'habitation des propriétés bâties, bien sûr, la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties leur est transférée. Ainsi, le taux voté par chaque commune est majoré du dernier taux, c'est-à-dire celui de 2020, voté par le conseil départemental, garantissant ainsi que les contribuables soient assujettis au même taux global de taxe foncière qu'auparavant. En pratique, un contribuable auparavant assujetti à 10% au titre de la part communale et au taux de 10% au titre de la part départementale sera en 2021 assujetti au taux de 20%. Donc, ici, si on applique ce nouveau système, la taxe foncière sur la propriété bâtie communale passerait de 8,25%, ce qui était le taux de la commune, à 19,83%, parce que s'y adjoindraient les 11,58% qui est le taux départemental, sachant que la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne bougerait pas. Vous avez une petite note tout à fait intéressante sur la revalorisation nominale des valeurs locatives qui vous indique en gros que pour les logements affectés à l'habitation principale, il n'y a pas de revalorisation. Pour les logements affectés au commerce ou autre chose que l'habitation principale, il y a une légère augmentation de 0,2%. Les produits fiscaux qui sont attendus suite à cette réforme sont de 17 295 000. Si vous l'avez noté dans le budget que nous venons de voter, on a voté sur deux lignes distinctes 16 975 000 au titre des recettes fiscales et 392 000 au titre des compensations, ce qui fait un total de 17 367 000, ce qui est légèrement au-dessus du produit fiscal attendu tel qu'on peut le calculer avec prudence. Et nous avons estimé qu'il n'était donc pas nécessaire, sachant que cette prudence probablement sera compensée par la réalité de la vie. Et nous avons estimé qu'il n'était donc pas nécessaire d'augmenter les taux de fiscalité locale, enfin sur taux de fiscalité locale en l'occurrence, sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, que nous vous proposons de maintenir à 19,83%, ce qui est exactement la somme des taux communaux d'une part et départementaux d'autre part précédents. Quant à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la même façon, nous vous proposons de la maintenir à 20,31%. Merci, Monsieur Soleil. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ces taux ? Madame Bilger, vous avez la parole. Oui, en toute logique, dans la suite de ce que vous a exposé Stéphane Gors, nous considérons donc qu'il n'était pas forcément de notre choix politique d'augmenter les dépenses, notamment les dépenses de personnel. En conséquence, nous considérons que nous aurions pu équilibrer votre budget avec un taux d'imposition qui aurait été moindre. Donc, nous voterons contre ce maintien des taux d'imposition en considérant que, dans la période actuelle, il eût été appréciable de pouvoir les baisser dans la logique du budget que vous nous avez présenté. Très bien. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Non. Nous allons passer au vote. Qui vote contre ? 3 votes contre. Qui s'abstient ? À la majorité,
je vous remercie. Je profite donc de cette délibération et de la fin de la séquence des budgets pour remercier très sincèrement l'ensemble des chefs de service et tout particulièrement Sylvain Aubé pour le très gros travail de préparation en lien avec les élus, mais on sait combien ce moment est important, chargé dans un contexte qu'on connaissait et qui était un peu particulier. Donc merci infiniment de nous avoir accompagnés dans la préparation de ce budget. On reste néanmoins dans la partie financière avec la présentation du Craquel, le compte rendu annuel à la collectivité locale de l'aménageur Citalios pour les exercices 2019 et 2020 pour la ZAC du Bourg. Et donc, monsieur Ribert, en votre qualité de maire délégué, vous aurez peut-être le son d'ici quelques instants. Je vous laisse présenter ce compte rendu annuel, enfin ces comptes rendus annuels, puisqu'il couvre deux années. Ça y est, vous m'entendez ? Oui. Bonsoir à tous. Donc effectivement, le Craquel, le compte rendu annuel à la collectivité locale. Il s'agit en fait d'un bilan financier des différentes réalisations, recettes et dépenses pour la ZAC du Bourg qui ont été arrêtées au 30 novembre 2020, ainsi que l'estimation des dépenses et des recettes restant à réaliser. Vous êtes indiqué le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des dépenses et des recettes, le tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées. Donc effectivement, vous avez toute une partie sur les choses à venir en 21-22 avec la construction, entre autres, des commerces qui sont attendus de façon importante par les habitants de la ZAC du Bourg. Il est précisé qu'en 2019 et 2020, vous n'aviez aucune acquisition ou cession immobilière, que le montant global des dépenses réalisées a été très limité, avec des études de 31 000 euros, des travaux de 180 000 euros et des frais financiers de 31 000 euros qui s'expliquent par deux raisons. En 2019, il y avait la fusion, il y a donc eu un ralentissement sur certaines parties des fins de réalisation. Et puis 2020, l'année Covid, évidemment, a ralenti beaucoup de choses en termes de construction de ce côté-là. Pourquoi la présentation n'arrive que maintenant ? Normalement, c'est quelque chose qu'on fait annuellement. C'est un bilan qu'aurait dû être présenté en mars 2020. Évidemment, les conditions sanitaires n'ont pas permis à Citalios de nous présenter un bilan de 2019. S'en est suivi une discussion sur le renouvellement de la concession avec Citalios qui est arrivée au 30 novembre 2020, raison pour laquelle aujourd'hui nous avons deux années finalement à voter. L'année prochaine, pour le coup, on devrait repartir sur un rythme classique de présentation de ces documents. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le compte-rendu annuel à la collectivité de la société Citalios pour l'exercice 2019-2020. Merci Monsieur Ribert. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Madame Nocringer, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. En complément effectivement de cette présentation et au vu de l'arrivée des commerces en fait, sur la ZAC du Bourg, pouvez-vous nous indiquer quand sera signé l'acte authentique avec le groupe Duval ? Par ailleurs, pouvez-vous nous préciser si un échelonnement du prix, du paiement du prix est prévu ? Et je terminerai en vous disant qu'en cohérence avec notre position prise lors du conseil municipal du 18 novembre dernier pour la signature de l'avenant numéro 5, nous voterons contre cette délibération. Alors, je me tourne vers Flavie Lebouc, qui doit avoir la date exacte de signature, puisque je crois que... Le 27 avril. Pardon ? Le 27. C'est ça. Donc le 27 avril pour la signature de l'acte. Sur les étalements de paiement, je n'ai pas forcément la réponse en séance, mais on reviendra vers vous. Et on prend acte du vote, même si je le regrette. Mais voilà, je respecte votre position sur le sujet. Je vais donc passer au vote. Y a-t-il donc des votes contre ? A priori, 3. Des abstentions ? Aucune. Adopté à la majorité. Merci. Et merci à M. Ribert de la présentation de ce craquel. Je remets mes lunettes. Et nous allons passer à la délibération numéro 13 concernant la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'exercice 2022 avec une actualisation des tarifs et une exonération de certains dispositifs. Je donne la parole à Mme Théménides. Merci Monsieur le maire, bonsoir. Il s'agit d'une délibération que nous passerons tous les ans en principe. Donc en application de l'article 2333-6 du Code général des collectivités territoriales, les communes ont la possibilité d'instituer une taxe locale sur la publicité extérieure dont le petit nom est TLPE. Cette taxe touche les différents dispositifs visibles des voies ouvertes à la circulation publique, donc les affiches, les enseignes et les préenseignes. Elle est payable annuellement.
Par délibération du 23 mai 2019, la commune nouvelle a instauré la TLPE sur l'ensemble de son territoire. Cette délibération avait également pour objet de fixer les tarifs applicables en 2020. Donc on est décalé d'une année. En 2019, on vote les tarifs applicables en 2020, en se calant à l'époque sur les tarifs maximaux et de déterminer les exonérations et réfactions prises en compte. Le 18 juin 2020, une nouvelle délibération est venue actualiser les tarifs pour l'année 2021. Et c'est donc à ce même exercice que doit se prêter le Conseil aujourd'hui pour une application en 2022. À l'écran, vous avez les tarifs actualisés en 2020 et 2021. Vous voyez qu'il y avait eu une légère augmentation. En 2022, l'indice qui sert de référence pour la revalorisation de ces tarifs est stable. Et donc, les tarifs maximaux applicables en 2022 seront identiques à ceux de 2021. Nous proposons par ailleurs de maintenir les exonérations qui étaient prévues à l'époque, enfin depuis 2019, et donc de maintenir le principe et les équilibres pour 2022. Merci, Madame Témindès. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Si pas de souhaits, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions à l'unanimité ? Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer aux travaux pratiques en matière d'économie d'énergie, et c'est le royaume de M. Collins, à qui je passe la parole sur une demande d'attribution de la dotation de soutien à l'investissement local concernant la rénovation thermique de l'école de musique Le Nôtre. M. Collins. Merci M. le maire, bonsoir à toutes et à tous. Donc, tout d'abord un petit mot pour présenter la délibération 14 et 15. Elles sont liées toutes les deux, elles sont complémentaires. Elles s'inscrivent dans la volonté politique de la commune du Chesnay de promouvoir et à passer à l'acte pour la transition énergétique et réduire la consommation des bâtiments publics. Un petit rappel bref, les émissions de bâtiments en France représentent 27% des émissions de CO2. Donc pour la délibération 14, il s'agit de la demande d'attribution de la dotation de soutien à l'investissement local, DSIL, en part exceptionnelle pour la rénovation thermique de l'école de musique Le Nôtre. Et nous allons vous expliquer la raison. Donc, la demande DSIL, pour résumer, subventionnerait principalement la part travaux, diagnostic, études et accessibilité. Cette délibération s'inscrit dans le cadre du plan de relance. Une nouvelle enveloppe de 950 millions d'euros est prévue dans le projet de loi finances initiale pour 2021. Afin de financer les projets de rénovation énergétique des bâtiments, des collectivités locales, du bloc communal et des départements. Donc, cette nouvelle enveloppe est exécutée au sein de la mission plan de relance et pilotée selon les mêmes modalités que la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL. Donc, l'objectif de financement de l'enveloppe, c'est donc, comme on l'a compris, la rénovation énergétique des bâtiments communaux ou intercommunaux pour réduire leur consommation d'énergie, ce qui permettrait de réduire de faire des économies de fonctionnement en diminuant la facture énergétique. Et ça permettrait également de prendre en charge l'ingénierie, à savoir le diagnostic, études préalables, suivi de chantier, lié au programme de travaux mis en œuvre. Il y a trois types d'actions dites à gain rapide. Le premier type d'action, c'est le pilotage et la régulation des systèmes de chauffage. Également, le deuxième type d'action, c'est l'isolation du bâti et le remplacement d'équipements. Troisième type d'opération, c'est tout ce qui est les opérations immobilières de réhabilitation lourde, accessibilité, désamiantage, ravalement, étanchéité du bâti. Et tout ceci, bien sûr, c'est sous couvert de critères d'attribution. Donc, les projets retenus sont en priorité les projets les plus performants. On demande 30% de réduction de consommation d'énergie au minimum pour les gains et que ça soit adapté, bien sûr, à chaque projet. Également seront subventionnables tout ce qui est changement de chaudière à fioul, tout ce qui est installation d'énergie renouvelable, tout ce qui concerne les matériaux à faible empreinte écologique, la mise en place également de suivi de consommation énergétique et de systèmes de régulation. Un objectif également est d'éviter l'installation de climatisation. Concernant le calendrier, les modalités de pilotage et d'organisation des projets doivent garantir une mise en œuvre effective dans les 2 ans afin de contribuer à la relance effective de l'économie. Les opérations doivent avoir un niveau de maturité
permettant d'engager des travaux au 31 décembre 2021, donc ça vient très vite, et le calendrier de mise en œuvre devra assurer une date de livraison prévisionnelle avant décembre, avant le 31 décembre 2022. Concernant le cofinancement, le soutien apporté par l'État pour ces projets d'investissement doit avoir un effet levier sur les financements apportés par les collectivités, de sorte que leur charge nette reste significative. Concernant les projets éligibles de la commune, il ressort des caractéristiques du dispositif des contraintes fortes en termes de maturité des projets et ainsi que les délais de réalisation. Donc engagement avant le 31 décembre 2021, comme je vous le disais, achèvement des travaux avant le 31 décembre 2022. D'autre part, en termes d'objectifs de réduction des consommations énergétiques et donc de nature et d'ampleur des travaux pour les atteindre. Au regard du programme d'investissement envisagé à l'horizon 2020, 4 projets sont éligibles et ont été présentés à la préfecture des Yvelines. Donc le premier projet, nous en avons parlé, l'école de musique Le Nôtre, pour un montant estimé hors taxe à 459 000 euros. Le deuxième projet présenté, les vestiaires clubhouse du gymnase Corneille, estimé à 329 000 euros. Et ensuite l'église Notre-Dame de la Résurrection à 180 000 euros hors taxe. Et enfin, concernant Chèvreloup, le chauffage, donc le changement de la chaudière à fioul et la rénovation thermique du site pour un montant hors taxe de 200 000 euros. Après donc, réflexion et travail de la préfecture, le projet retenu et la dotation sollicitée. Par courriel en date du 12 mars dernier, les services de la préfecture des Yvelines ont informé la commune que le premier projet, la rénovation thermique de l'école de musique Le Nôtre, pouvait être retenu au titre de la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales. Donc ce projet a été intégré par la préfecture de région Île-de-France dans le programme DSIL. La fiche projet ci-jointe décrit les caractéristiques de cette opération. Est-ce qu'on peut la présenter, s'il vous plaît ? Donc, je vais vous présenter les images. Donc, voilà l'école de musique, c'est les deux derniers étages du bâtiment au centre du site Le Nôtre. Page suivante, s'il vous plaît. La surface totale est environ, encore un petit peu, voilà, de 1200 m² pour les deux niveaux. Page suivante également. Vous avez le descriptif ensuite. Voilà, voilà, tout à fait. Donc là, vous avez le descriptif des différents lots. Donc on parlait du diagnostic, 5 000 euros. On parlait de l'étude de rénovation, 11 000 euros. La charpente isolation de toiture à 165 000 euros. Couverture toiture, 85 000 euros. Huisserie, 160 000 euros. Instrumentation et capteurs, 33 000 euros. Donc en vert, ça va être évoqué dans la délibération numéro 15, c'est la Missekoya. Total hors taxe, 459 000 euros. Voilà, pour un gain estimé au minimum à 30%, ce qui ferait gagner à peu près 3600 euros par an pour le site donc, de l'école de musique. Pour finir, le montant de la DSIL que pourrait percevoir la commune a été plafonné à 229 000 euros, représentant environ 50% du coût hors taxe de l'opération. Donc en résumé, cette délibération nous donne l'occasion de créer un site pilote des rénovations thermiques. On a vu que l'école de musique est très énergivore, elle est très mal isolée. Et ainsi, afin de permettre la validation définitive de la sélection des dossiers, il appartient à l'Assemblée de délibérer pour approuver la réalisation de ce projet d'investissement et de formaliser sa demande de soutien financier au titre de la DSIL. Tel est l'objet de la présente délibération. À vous, monsieur le maire. Merci, monsieur Colline. Je crois que tout a été dit. On est dans la parfaite illustration, puisque monsieur Gorst nous a attiré notre attention sur la nécessité d'aller chercher des subventions. Je crois qu'on est dans, voilà, dans les travaux pratiques en vrai. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Si pas de souhaits d'intervention, on va passer au vote. Si, oui, non, c'est bon. Qui vote ? Vous voulez parler, monsieur Gorst ? Pas fini. Non, d'accord, ok. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Merci et merci pour. Les membres de l'école de musique qui, je crois, apprécieront cet effort significatif, mais ô combien nécessaire. Monsieur Collins, vous continuez avec la candidature à l'appel à manifestation d'intérêt dit Sequoia, proposée par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR, pour subventionner les actions en faveur de la transition énergétique des collectivités.
Merci, Monsieur le Maire. Donc, je continue. Donc, cette délibération est complémentaire de la délibération numéro 14, puisque cette fois-ci, il s'agit, pour résumer, principalement, de la subvention de tout ce qui concerne l'instrumentation, les capteurs, le suivi informatique, la maîtrise d'ouvrage et enfin, bien sûr, mutualiser les achats avec VGP. Comme je vous le disais, la commune du Chesnay-Roquencourt souhaite s'inscrire dans une démarche de réduction de la consommation énergétique des bâtiments publics en raison des enjeux économiques et financiers qui en découlent. Il s'agit aussi d'une obligation réglementaire. La loi Élan du 23 novembre 2018 fixe des objectifs de réduction de consommation des énergies finales dans les bâtiments à l'horizon 2030, à savoir en 2030, moins 40% de réduction globale de la consommation d'énergie, en 2040, moins 50%, et en 2050, moins 60%, voilà, en titre de complément de ce qui est écrit. Le décret numéro 2019-771 du 23 juillet 2019, relatif aux obligations d'action de réduction de la consommation énergétique finale dans les bâtiments à usage tertiaire, dit décret tertiaire, précise le champ d'application de ces objectifs. Donc, c'est tous les bâtiments de plus de 1000 m² qui sont concernés par ces échelons 2030, 2040, 2050. En parallèle, la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc souhaite faire de la transition énergétique l'un des axes prioritaires d'action. Parmi les champs d'action identifiés, la rénovation énergétique des bâtiments publics est apparue comme un enjeu prioritaire car elle représente autant un enjeu environnemental qu'un enjeu financier pour les collectivités. L'appel à manifestation d'intérêt, AMI Sequoia, porté par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, FNCCR, offre une opportunité unique à Versailles Grand Parc de structurer son action dans ce domaine et d'offrir aux communes de son territoire de mutualiser les moyens de piloter les économies d'énergie. Donc l'objectif premier de cet appel à manifestation d'intérêt est d'apporter un financement dédié aux coûts organisationnels, qu'on pourrait appeler pilotage, liés aux actions d'efficacité énergétique des bâtiments, des collectivités et de mutualisation des moyens avec Versailles Grand Parc. Tout ceci permet de massifier les actions de réduction des consommations énergétiques des collectivités. Le second objectif de l'AMI est de créer des coopérations entre établissements publics agrégateurs d'actions d'efficacité énergétique, idéalement à la maille interdépartementale, mais également infradépartementale. Versailles Grand Parc est mandataire du groupement composé d'un EPCI, Versailles Grand Parc, et de 16 communes, ainsi que d'un syndicat, le Cibano. Donc, la candidature proposée par Versailles Grand Parc à l'AMI Sequoia porte sur 147 bâtiments. Vous avez la description de l'ensemble des dispositions et représentant ainsi plus de 300 000 m² ainsi répartis. Je vous demande un petit instant. J'ai une extinction de l'iPad. Merci. Donc, la présente délibération est d'intégrer la candidature du groupement proposé par Versailles Grand Parc à l'AMI Sequoia. En outre, l'opportunité pour la commune de capitaliser, répliquer en temps réel et à plus grande échelle sur l'ensemble de ces bâtiments des méthodologies et des solutions envisagées et éprouvées par le groupement, ainsi que d'acquérir des outils de suivi énergétique performants qui pourront être utilisés pour optimiser le suivi énergétique de l'ensemble des bâtiments. Merci, Monsieur Collins. Y a-t-il des souhaits d'intervention, Monsieur Gors? Merci beaucoup. Donc dans cette délibération, on voit un tableau effectivement explicitant un petit peu par ville, à la fois le nombre d'habitants, rappelant leur nombre d'habitants et puis montrant la répartition des surfaces concernées. Et je me suis amusé à faire un petit calcul de la division de la surface présentée par les communes sur leur nombre d'habitants. Autrement dit, si ce nombre est important, c'est que beaucoup de projets sont présentés. À l'inverse, si ce nombre, ce ratio est faible, c'est qu'effectivement peu de choses sont présentées. Alors, quand on regarde la Selle-Saint-Cloud, par exemple, donc 15 bâtiments sont concernés, et si on fait le rapport donc des surfaces présentées au nombre d'habitants, on arrive à 2,2-2,3. Versailles présente 21 bâtiments, et si on fait le même ratio,
du nombre de la, des surfaces concernées ramenées au nombre d'habitants, le taux est beaucoup plus faible puisqu'il est de 0,81. Et le Chesnay au concours dans tout ça. Alors, si vous faites le ratio, on a deux bâtiments et on a un ratio surface présentée sur nombre d'habitants de 0,07. Il me semble que ce ratio doit nous interroger et conforte un petit peu ce que j'ai dit en préparation de dossier, présentation de dossier pour obtenir des subventions. Merci. Je peux vous répondre ? Bien sûr. Je vous en prie. Donc, concernant la situation du Chesnay, elle est quand même assez particulière. Il y a eu un nombre non négligeable de travaux engagés, de rénovation. Par exemple, le gymnase Pelloire, le gymnase Curvat. Il y a eu récemment, en 2019, Corneille. Il y a eu le CTM, donc, du club de, le CTM. Il y a eu également le clubhouse du tennis. Donc nous avons déjà engagé la commune a déjà engagé des travaux sur ces programmes, et ce qui s'est passé, c'est que nous arrivons avec quand même un certain nombre de sites qui ont déjà été apurés de rénovation, mais qui étaient principalement fonctionnels. Donc la difficulté a été de trouver dans les délais impartis, à commencer des travaux dès fin 2021 et de les finir en 2022. Ce que nous nous sommes dit, c'est qu'effectivement, sur des travaux que nous pouvons commencer en 2021, nous avons des candidats, je vous les ai cités, et pour revenir sur l'école de musique, nous avons l'occasion de mutualiser deux dispositifs de subvention, à la fois les travaux par la préfecture, également à la fois le pilote informatique avec l'ami Sequoia. L'objectif est bien sûr de créer un site pilote, donc c'est une possibilité, qui permettrait ensuite de déployer dans un second temps les technologies employées pour réguler les consommations énergétiques, instrumenter le bâtiment donc, de le nôtre, et de l'école de musique, et ensuite de le déployer sur la ville, ce qui permettrait d'avoir une vision sur le niveau de rénovation des grands gymnases que nous avons eus. Parce qu'actuellement, nous n'avons eu aucun diagnostic de fait, aucune étude thermique de fait sur ces grands projets, sauf éventuellement sur le CTM, où il y a eu un réel effort de rénovation thermique. Donc sur les grands projets, effectivement, qui ont beaucoup de surface, qui concernent la ville du Chesnay, il y aura des compléments et des rattrapages à apporter en termes de diagnostic et d'études thermiques ainsi que de la régulation. Ce qui explique cet effet un peu, cette déformation que l'on peut observer dans les chiffres. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Sinon, on passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, merci. Nous allons maintenant prendre un peu l'air. Je vais passer la parole à M. Darentière pour évoquer le sujet d'une participation à l'entretien des forêts domaniales de Fausse-Repose et de Marly, convention entre la commune et l'Office national des forêts. M. Darentière, vous avez la parole. Merci, M. le maire. Donc effectivement, comme c'était le cas en 2020, la proposition de délibération concerne la signature d'une convention et le financement participatif de la commune à l'entretien des forêts. Alors une précision, je rappelle que ces forêts, avec les parcelles de la Fosse aux Loups, du Bois des Fonds de Maréchaux et puis du parc de Ronconcourt, ont le statut de parc forestier. Donc statut de parc forestier veut dire qu'il y a un certain nombre d'activités d'entretien spécifiques pour sécuriser l'accueil du public et assurer vraiment que toutes les conditions sont réunies en termes d'entretien, de gestion des déchets, d'ouverture des chemins, pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Et vous savez que depuis un an, la forêt est extrêmement fréquentée par rapport à la situation que nous vivons tous. Donc la dotation qui est prévue en parallèle de cette convention est de 24 000 euros. Et donc la proposition est donc de signer et de porter ce montant dans le projet de délibération. Voilà. Merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce projet de convention ? S'il n'y a pas de souhaits d'intervention, on va passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Merci beaucoup.
Monsieur Darentière, vous conservez la parole pour une délibération concernant l'adhésion de notre commune à l'Association des villes pour la propreté urbaine. Oui, tout à fait. Donc, ce projet, il s'agit de, finalement de se doter au niveau de la commune d'un peu plus d'outils objectifs nous permettant de mesurer notre situation en termes de propreté urbaine à différents titres. L'intérêt de cette association, c'est qu'elle nous met en relation avec d'autres communes qui ont les mêmes problématiques que nous. Et elle nous propose aussi des outils permettant d'objectiver la situation de la commune en termes de qualité de la propreté urbaine sur différents critères. Et à partir de ces grilles de diagnostic, de pouvoir nous situer et puis aussi de communiquer plus factuellement avec la population sur la situation exacte de la commune. Et enfin, de prioriser les actions les plus importantes à engager pour améliorer les situations sur le sujet. C'est une donc cotisation de 900 euros et donc la proposition de la délibération, c'est d'adhérer pour aussi bénéficier des échanges de pratiques que l'on aura avec les autres communes sur toutes les questions qui peuvent se poser en matière de propreté. Voilà, monsieur le maire. Et nous savons combien la sensibilité de nos administrés sur ces questions est grande. Donc pour 900 euros, je pense que ça le vaut. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Pas de souhait d'intervention, on passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, merci. Nous allons passer dans une rubrique un peu plus légère, mais on sait que les sujets non essentiels sont parfois très importants. Et donc, nous attaquons quatre délibérations relatives à la culture. La première concerne les dispositions tarifaires spécifiques à la saison culturelle 2021-2022. Je passe la parole à M. Vengère. Merci, monsieur le maire. La gestion des événements culturels étant assurée par la ville en régie directe, il relève de la compétence du conseil municipal de déterminer les tarifs des entrées aux spectacles qu'elle organise. Au titre de la programmation de la saison 2021-22, 49 événements sont prévus. Il est donc demandé au conseil municipal de délibérer sur les tarifs qui lui sont proposés ainsi que sur des tarifs pour des séances non déterminées à ce jour. Dans l'intérêt des Chesnay-Courtois, la grille tarifaire de la saison précédente est reconduite et ce d'autant plus qu'un certain nombre de spectacles annulés en raison de la crise sanitaire Covid-19 ont été reportés sur cette nouvelle saison. Il est rappelé que ces tarifs ont été élaborés afin d'adapter la jauge économique au prix d'achat du spectacle et à sa notoriété, tout en favorisant l'accès à la culture au plus grand nombre. En effet, des tarifs à moins de 10 euros sont proposés sur certains spectacles. La ville souhaitant favoriser la venue des personnes à mobilité réduite, il est proposé de maintenir le principe de gratuité pour la personne aidante. Ces tarifs sont exprimés toutes taxes comprises. Pour chaque spectacle, un tarif invité de 0 euros peut être pratiqué sur toutes les séries hors abonnement. Petite précision rapide, pour le prix des places, ça commence à 2 euros pour les moins de 26 ans pour la catégorie J. On va jusqu'à, pour la catégorie G, jusqu'à pour la saison prochaine, à 42 euros pour la Cerentola de Rossini, 42 euros hors abonnement et 39 euros pour les abonnés. Un petit point sur la saison culturelle pour vous faire rêver un petit peu. Pour la saison prochaine, saison culturelle, il y aura donc 49 levées de rideaux, dont environ 60% de reports de cette saison. Il est à noter que les reports n'ont pas été faits par ordre chronologique, mais de manière à équilibrer la saison sur le plan artistique. Il y aura 5 matinées et des spectacles jeunes publics pendant les vacances scolaires. Parmi les nouveautés, nous accueillerons Francis Perrin dans l'école des femmes. Francis Perrin, donc c'est un spectacle qui aura la particularité d'être joué par l'épouse de Francis Perrin, également par le fils de Francis Perrin qui est autiste, comme certains le savent peut-être, et qui a 18 ans. Et donc, grâce à un traitement particulier, il a réussi à sortir à peu près de l'autisme. Et donc, il sera sur scène avec ses parents. Il y aura Patrick Timsit également pour son nouveau one-man show et certainement dernier one-man show. Victor Vincent, un magnifique Don Juan mis en scène par Christophe Lidon. Le Capucine, ventriloque Chesnay-Courtoise que vous connaissez certainement puisqu'elle a gagné la France à un incroyable talent il y a 3 saisons. Ce sera pour elle la première grande scène puisqu'elle aura rodé son spectacle sur des plus petites scènes précédemment. Il y aura aussi un super spectacle qui s'appelle L'Odyssée du temps de Jean-Paul Bourron, un spectacle très visuel sur l'évolution de l'homme à travers les âges avec 9 comédiens, des musiciens en direct et un cheval sur scène.
ou encore une petite fille privilégiée de Francine Christophe, chaînée courtoise, qui témoigne de sa déportation à l'âge de 8 ans dans un livre très émouvant adapté au théâtre. Le livre est d'ailleurs disponible à la bibliothèque. La saison 21-22 devrait débuter fin septembre avec Plus haut que le ciel, une épopée autour de la création de la Tour Eiffel qui est un report de cette saison. Voilà en quelques mots donc pour la prochaine saison culturelle. Y a-t-il des questions ? Alors, avant d'éventuelles questions, je voudrais profiter, vous savez quel est le contexte dans lequel le monde culturel évolue, donc élaborer un programme de la qualité que celui qui vous est proposé, sans pouvoir assister à l'ombre d'une pièce, sans pouvoir aller faire son marché, entre guillemets, au Festival de l'Avignon, ça tombe pas du ciel. Donc, je voudrais remercier très sincèrement Xavier Brouard qui a réussi à maintenir tous les contacts pour permettre d'avoir une programmation quasi normale. Je rappelle qu'il va louper deux Festivals d'Avignon, puisque celui de cette année, à mon avis, sera annulé aussi. Donc voilà, pour avoir cette qualité de programmation, ça nécessite un travail et une confiance avec l'ensemble des acteurs du monde culturel. Et donc, avant de voter de manière un peu brutale les tarifs, je voudrais profiter de cette délibération pour saluer ce travail de très grande qualité et dans la durée. Tout à fait. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Sinon, nous allons passer au vote. Qui vote contre cette grille tarifaire ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, merci beaucoup, en espérant que le rideau pourra se lever au mois de juin et sinon à la rentrée. Oui. Convention de résidence artistique au Théâtre Nouvelle-France avec la compagnie On ne va pas se mentir. Monsieur Vangerve, je vous redonne le micro. Merci Monsieur le Maire. Comme nous en avons désormais l'habitude et afin de soutenir la création théâtrale, nous vous proposons un projet de convention de résidence artistique avec la compagnie On ne va pas se mentir, dirigée par Salomé Villiers, que l'on connaît bien pour avoir accueilli plusieurs de ses spectacles, dont Beaucoup de bruit pour rien, Le jeu de l'amour et du hasard, ou encore plus récemment Badine, qui était en résidence en fin d'année 2020 au TNF et dont le spectacle est reporté sur la saison prochaine. La nouvelle création s'appelle La Grande Musique, c'est une pièce de Stéphane Guérin. La mise à disposition du TNF sera de 20 jours à raison de 8 heures par jour. En contrepartie, la compagnie est invitée à ouvrir deux séances de travail au public, organiser une rencontre avec le public, animer un atelier en milieu scolaire, dans la mesure des conditions sanitaires en vigueur, bien évidemment. Nous mettrons à disposition de la compagnie les moyens matériels et techniques, et si besoin, des moyens humains comme un régisseur. Ce partenariat sera renouvelé tacitement pour l'année prochaine également. Cette convention prendra effet le 15 avril prochain. Merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce projet de délibération ? Il vous est donc demandé d'approuver ou non cette convention. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions à l'unanimité. Merci pour cette troupe. Délibération suivante concerne l'organisation d'un concours d'écriture de nouvelles. Monsieur Vangère. Le contexte sanitaire actuel a été très favorable à une des seules pratiques culturelles encore accessibles, la pratique de la lecture et de l'écriture. On atteste le succès des librairies ces derniers mois et l'augmentation du nombre de manuscrits déposés auprès des éditeurs. Dans ce contexte, la bibliothèque propose d'organiser un concours de nouvelles en 2021, comme elle est régulièrement amenée à le faire. Public concerné, gratuit, le concours de nouvelles comporterait deux catégories, pour les jeunes jusqu'à 15 ans inclus, pour les adultes à partir de 16 ans. Il donnerait l'opportunité aux auteurs en herbe ou confirmés d'exprimer leur créativité et de l'avoir récompensé par un prix. Les auteurs primés recevront des prix à l'occasion d'une cérémonie virtuelle ou in situ. Le concours sera réservé aux franciliens afin que le ou la lauréate puisse aisément se rendre à la cérémonie de remise des prix. Le thème de ce prochain concours sera, pour des nouvelles de 6 à 10 pages, le mouvement. Elles devront raconter une histoire où les personnages se déplacent d'un lieu à l'autre, voyage de loisirs, voyage initiatique, déplacement du quotidien, fuite, etc. Liberté est donnée aux auteurs d'improviser une époque, un contexte contemporain ou non, un témoignage ou une fiction autour de l'un de ces thèmes. Calendrier et jury, le concours sera lancé en mai. Les participants auront jusqu'au mardi 7 septembre 2021 pour rédiger leur nouvelle et pour la remettre à la bibliothèque. Les nouvelles primées seront choisies par un jury de 6 personnes composé de 2 élus, 2 bibliothécaires et 2 lecteurs inscrits à la bibliothèque. Le règlement du concours détaillé dans le projet de délibération précise ses modalités aux participants. Il devra leur être distribué et il les engage à le respecter sous peine de ne pas être retenu pour le prix. Le prix, justement, il est proposé de doter le concours pour 2 lauréats jeunes et adultes qui se verront
sur leurs textes publiés, pardon, sur les divers canaux de diffusion de la ville, sites internet, réseaux sociaux. Ils recevront par ailleurs un bon d'achat en librairie d'une valeur de 100 euros. Les candidats classés en deuxième place dans les deux catégories recevront quant à eux un bon d'achat de 50 euros. Et comme nous avons fait au préalable une commission culture, Dorothée Bilger avait souhaité que nous dotions également d'un autre prix pour la catégorie jeune, notamment peut-être le prix du jury. Donc nous avons été favorables à cela et nous l'avons même renforcé, ce prix du jury auprès des deux catégories. Donc il y aura le prix du jury pour la catégorie jeune et pour la catégorie adulte. Et ce prix décernera donc dans ces deux catégories un bon d'achat de 75 euros. Le budget total de l'opération en bon d'achat est donc de 450 euros. Merci beaucoup. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? S'il n'y a pas de souhait d'intervention, on passe au vote. Pas de vote contre, pas d'abstention à l'unanimité. Merci de cette belle initiative et d'avoir abondé les prix. Dernière délibération, toujours dans la rubrique des livres, la création d'un service de portage de livres à domicile. En effet, un service de portage de livres à domicile a été mis en place de manière temporaire et expérimentale en décembre 2020. Ce service a fait l'objet d'une communication restreinte par le biais des agents de convivialité du dispositif Yes Plus. La bibliothèque propose d'installer ce service de manière pérenne et de le faire connaître au plus grand nombre. Public ciblé, l'accès au service serait ouvert à toute personne, adulte ou enfant, dans l'impossibilité de se déplacer jusqu'à la bibliothèque, soit temporairement ou définitivement, personnes portant un handicap moteur et ou une déficience visuelle, personnes accidentées, femmes enceintes. Service, tout public correspondant à cette définition pourrait s'inscrire auprès de la bibliothèque. Il bénéficierait alors d'un portage d'une dizaine d'ouvrages par mois maximum, les ouvrages étant sélectionnés au plus près des goûts de la personne et sur des supports adaptés, livres en grand caractère, livres audio, etc. Au regard du contexte sanitaire actuel, le portage se ferait au pas de la porte de la personne. Dans un contexte sanitaire normal, le bibliothécaire aurait un temps d'échange avec la personne afin de rompre son isolement et de lui proposer des lectures au plus près de ses goûts. Le portage serait assuré via un véhicule municipal mutualisé avec d'autres services. Le service serait lancé au mois de mai prochain et le portage sera assuré par des agents horaires de la bibliothèque. Merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Pas de souhaits. On passe au vote. Des votes contre ? Abstention à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer dans le monde du sport avec une convention de mise à disposition de locaux communaux à l'association Le Chesnay 78 Shade Boxing Club pour l'activité Sport Santé. Et je passe la parole à Monsieur Voiseux. Merci Monsieur le maire. Oui, en effet, donc l'association Le Chesnay 78 Shade Boxing Club. On avait déjà un petit peu parlé, on avait changé la convention pour leur permettre d'avoir accès au cabinet médical 13 rue Potier pour lancer leur activité de sport santé. Depuis ce temps, cette activité s'est bien développée. Ils peuvent continuer, eux, parce que c'est sur prescription médicale. Et donc, il y a un petit changement du fait que le cabinet médical va être récupéré par la médecine du travail. Donc il faut réaffecter des nouveaux locaux et il nous a semblé judicieux d'en profiter pour refaire une convention spécifique pour la section sport-santé de cette association pour les soutenir encore un peu plus par notre action politique. Donc dans cette convention, on leur remet à disposition la salle de réunion des associations sportives du 7 rue Potier, ancienne DMS, et mise à disposition d'autres infrastructures type la salle de musculation et la salle rythmique pour pouvoir pratiquer leurs activités et la remise en condition physique des pratiquants. Cette convention ira jusqu'au 31 août 2021 pour laisser l'opportunité ensuite de passer sur une association spécifique sport santé qui sera ramification vers les autres associations sportives de la ville. Voilà. Merci Monsieur Voiseux. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Sinon, on passe au vote. Qui vote contre l'approbation de cette convention ? Qui s'abstient à l'unanimité ? Merci. Nous allons passer dans une séquence scolaire, puis crèche, puis
jeunesse, avant de passer la parole à Mme Sadou, je voudrais profiter de cette séquence pour remercier l'ensemble des services qui se sont adaptés dans un temps record pour préparer la gestion de la troisième vague de confinement. Vous savez que nous avons réduit la voilure, mais nous assurons des prestations à la fois scolaires, garde d'enfants et demain jeunesse pour les publics dits prioritaires. Et donc, je voudrais remercier en votre nom à tous. J'étais voir quelques directrices et directeurs hier pour les saluer. Le travail remarquable réalisé dans un temps comme d'habitude record, c'est-à-dire moins de 48 heures, évidemment le week-end de Pâques parce que c'est quand même beaucoup plus drôle, pour permettre d'être au rendez-vous et notamment de permettre au personnel soignant d'avoir des solutions permettant de laisser les enfants scolarisés et les enfants en bas âge gardés. En attendant, la période des vacances, qui elles aussi ont été décalées d'une semaine assez brutalement, a désorganisé l'ensemble des plannings familiaux, mais aussi de ceux de la mairie. Sur ce, Madame Siadou, je vous passe la parole concernant le sujet du nouveau nom de l'école maternelle publique de la rue du Hameau. Merci, Monsieur le maire. Lors du dernier du conseil municipal du 28 janvier dernier, on avait donc évoqué le projet de fusion des écoles maternelles Boucher et Bastier. Donc, cette fusion a été actée par l'inspecteur d'académie donc dans un courrier du 5 mars 2021, donc mentionnant donc la fermeture des classes des deux écoles et l'ouverture d'une nouvelle école maternelle à 8 classes avec son propre numéro d'immatriculation. Donc, comme on l'avait précisé dans la délibération du 28 janvier, donc une sélection de propositions documentées allait être proposée par les élus en charge des affaires scolaires de la jeunesse et de la restauration aux différents acteurs de l'école, donc directrices, enseignants, ATSEM, animateurs, gardiens, agents de restauration et les parents qui étaient tous invités à voter. Donc trois noms de grandes aviatrices ont été proposés. Donc Valérie André, donc qui était la première femme à devenir officier général en France, médecin général et général et première à être élevée pardon au rang de grand croix de l'ordre national du mérite. Ensuite Adrienne Bolland. Qui elle était aussi une aviatrice française célèbre pour avoir été la première femme au monde à effectuer la traversée par avion d'une partie de la Cordillère des Andes. Et enfin Caroline Aigle. Alors donc Caroline Aigle est le nom qui a été retenu. Donc il y a eu plus de 66% des votes pour le nom de Caroline Aigle. Donc Caroline Aigle est une jeune femme hein, parce qu'elle a une vie assez courte mais une vie très remplie puisqu'elle était polytechnicienne. Elle s'était en parallèle de ses études, elle avait décidé de servir l'armée de l'air. Et donc, elle est devenue ensuite une pilote de chasse, commandant dans l'armée de l'air. Et elle était en plus excessivement sportive et très investie. Elle a été maman en plus de deux enfants. Et elle est décédée donc à l'âge de 32 ans. Voilà, donc une vie courte, bien remplie. On est fiers que cette nouvelle école porte son nom. Et pour la petite histoire, elle avait un surnom qui lui avait été donné dans l'armée de l'air. C'était le moineau, du fait de son nom et de sa petite taille. Voilà, donc l'objet de cette délibération va être de vous présenter le nouveau nom donc de la maternelle de la rue du Hameau. Y a-t-il des souhaits d'intervention, des compléments ? Merci en tout cas d'avoir organisé là aussi dans un temps très court ce choix de nom qu'on a essayé d'être aussi large que possible à la fois dans la palette des noms proposés et puis dans les personnes qu'on a sollicitées. Donc je vais vous demander d'approuver ce choix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions à l'unanimité ? Merci. Un tout petit peu moins glamour, mais néanmoins nécessaire, la révision du périmètre scolaire, Madame Siadou. Tout à fait. Donc, dans la logique de la délibération précédente, le code de l'éducation nous confie donc au conseil municipal la détermination des périmètres scolaires des écoles publiques. Donc, en effet, hein, les habitants de la commune doivent ainsi inscrire leurs enfants dans leur école de secteur. Donc la sectorisation, c'est un découpage territorial de la ville qui permet d'une part d'équilibrer les effectifs scolaires au regard donc de la capacité des écoles, de garantir une scolarisation proche du domicile des élèves et de favoriser ainsi aussi la mixité sociale. Le périmètre actuel a été défini par plusieurs arrêtés municipaux et délibérations du conseil municipal, notamment pour acter la fermeture des écoles ces dernières années, donc du Petit Prince et Mozart.
Donc aujourd'hui, on a 10 secteurs pour 11 écoles. Donc 6 écoles élémentaires qui sont les écoles Bastier, Boucher, Forain, La Fontaine, Perrault et Chèvreloup. Et 5 écoles élémentaires, Guinemer, Langevin, Le Nôtre, Molière et Chèvreloup. Donc le secteur de l'école maternelle Chèvreloup et celui d'école élémentaire de Chèvreloup se confondent puisqu'ils correspondent en fait aux limites de la commune déléguée de Roquencourt. Donc le projet de fusion des écoles maternelles Boucher et Bastier, donc qui a été détaillé au mois de janvier et qui a été acté donc au mois de mars par les services de l'éducation nationale, précise donc les mesures de la carte scolaire pour la rentrée 2021. Et donc il est proposé d'attribuer à la nouvelle école maternelle le même secteur que celui de l'école élémentaire Guinemer, c'est-à-dire la réunion des deux secteurs des deux écoles maternelles et ainsi constituer 5 grands secteurs de scolarisation pour désormais 10 écoles, associant donc à chaque école élémentaire son école maternelle la plus proche. Donc on a le groupe Forain Le Nôtre, Perrault-Langevin, La Fontaine-Molière, Chèvreloup, et Caroline Aigle, Guinemer. Voilà, donc pour information, vous avez sur la délibération donc le secteur avec l'ensemble des rues qui composent voilà, ce nouveau secteur périmètre pour la nouvelle école maternelle. Voilà. Merci beaucoup, Madame Siedot. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ces modifications du périmètre scolaire? Si pas de souhait d'intervention, on va passer au vote. Qui vote contre la proposition de nouveau découpage? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Je vais donner maintenant la parole à Madame Bélier pour les modifications concernant les règles générales d'organisation des établissements et services d'accueil de la petite enfance. Ça va laisser le temps au son d'arriver dans le micro. Quoique, il faut être prudent. Merci, Monsieur le maire. Je vous en prie. Donc, l'objectif de cette délibération est de permettre de modifier les règles générales d'occupation des établissements d'accueil de la petite enfance. En effet, les contrats des familles sont tous renouvelés à chaque rentrée scolaire. Il convient donc d'actualiser ces règles générales pour qu'elles puissent être communiquées aux parents à l'occasion du nouveau contrat. Trois objectifs pour cette délibération: élargir les conditions d'accès pour optimiser le taux d'occupation des établissements, harmoniser l'accueil à la demi-journée pour tous les multi-accueils et simplifier la facturation à la fois pour les familles et pour le service gestionnaire. Trois modifications sont soumises à l'Assemblée, elles sont rédigées, mais je vais essayer de vous les résumer et de vous expliquer le pourquoi. À ce jour, la première est d'optimiser l'occupation des berceaux, parce qu'à ce jour, les nouvelles demandes à 154 à la première commission pour la rentrée 2021 ne compense pas les 180 places laissées vacantes pour les enfants entrant à l'école. Chaque place vacante augmente les déficits des crèches par deux effets cumulatifs, la perte de la participation familiale et la perte d'une partie de la subvention CAF par la voie de la prestation unique de solidarité PSU. Il est donc proposé d'ouvrir l'attribution des places aux familles dont l'un des parents au moins travaille sur la commune ou aux familles des communes voisines, sous réserve de deux critères: qu'elles nous fournissent un refus préalable de la commune de résidence de façon à ce qu'il n'y ait pas de concurrence, et que la priorité soit bien sûr donnée aux familles chez les courtoises. Actuellement, quelques familles bénéficient d'un contrat occasionnel. Ce type de contrat sera désormais réservé à la possibilité d'occuper les berceaux temporairement vacants pour maladie, congé hors contrat, par exemple. Le deuxième point est de modifier les règles d'accueil à la demi-journée. Cette proposition existe à Églantine et à la Souris Verte. Il est proposé, compte tenu de l'évolution des modes de travail actuels, de l'étendre à toutes les structures afin de s'adapter au mieux aux demandes des familles. Et la dernière concerne la modification des règles de facturation. Alors, ça comprend 4 points. Donc, la facturation mensuelle. Actuellement, la facturation est lissée sur la durée du contrat. Dans les faits, ce mode de tarification entraîne entre 200 et 300 modifications de contrat par an pour des raisons diverses. Il est donc proposé de passer à une facturation proportionnelle au nombre de jours effectués, à la fois pour une meilleure lisibilité par les parents et pour une diminution substantielle de la charge de travail des agents, tout en leur permettant un meilleur suivi.
Deuxième point, la période d'adaptation, qui actuellement n'était pas limitée, sera facturée au temps réel passé, mais dans la limite d'une semaine, afin de ne pas immobiliser des berceaux inutilement. Et dernier point, les congés hors contrat ou les congés de fin de contrat pourront ne pas être facturés à deux conditions, que les parents préviennent la structure au moins à un mois avant leur départ et que la place puisse être occupée par un enfant, soit dans le cadre de l'accueil occasionnel, soit dans le cadre d'un enfant qui attendait un nouveau contrat. Cette dernière mesure a pour objectif de ne pas impacter le taux d'occupation pendant l'absence et d'améliorer le taux d'occupation de façon à réduire les coûts. La délibération vous précise, et je ne vais pas tout vous lire, la rédaction qui figurera dans le nouveau document des règles générales d'organisation. Merci beaucoup, Madame Belli. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Si pas de souhaits d'intervention, on passe au vote. Des votes contre, des abstentions. À l'unanimité, merci. Et merci de ce gros travail pour essayer d'optimiser le remplissage de nos crèches. Nous savons combien les enjeux, à la fois pour les familles, mais aussi pour les finances de la ville, sont importants. Donc, cette délibération était détaillée, mais je crois que ce travail était important. Donc, merci à vous et au service de l'avoir mené. Nous restons dans les modifications de règles générales d'organisation, mais nous allons passer dans le monde de la jeunesse. Donc, Madame Charpentier, ça concerne l'accueil de loisirs extrascolaires enfants et accueil sport-aventure. Merci, monsieur le maire. En fait, c'est un petit point de détail, c'est que quand on inscrivait ces enfants par la voie électronique, la date limite était le mercredi de la dernière semaine des inscriptions et on pouvait se déplacer jusqu'au vendredi. Donc, on voudrait harmoniser et déclarer que ce soit le mercredi de la dernière semaine de la période d'inscription fixée par arrêté municipal, donc le mercredi pour les deux modes. Voilà, en ligne et au guichet. Très bien, c'était plus rapide. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Si pas de souhaits d'intervention, on passe au vote. Pas de vote contre, pas d'abstention. À l'unanimité, merci. Nous allons passer dans le monde de l'archivage. Je vais passer la parole à M. Consdorf pour nous parler du système d'archivage électronique et d'une convention de mission avec le Centre interdépartemental de gestion. M. Consdorf. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous. Alors comme vous le savez, l'usage du numérique se développe en fait dans tous les aspects de notre vie quotidienne et bon, la commune du Chinerot-Cancan ne fait pas exception à cela, dans son organisation et ses relations avec les administrés. Depuis les années 2000, différents textes en fait, ont doté l'écrit électronique d'une valeur juridique équivalente à celle du papier. Donc, ce contexte implique d'assurer la sécurité, l'accessibilité et la pérennité de ces informations dans le temps, alors même que les supports en fait, technologiques de conservation des documents sont eux frappés d'obsolescence rapide. Notre commune souhaite donc s'engager dans la mise en place d'un système d'archivage électronique dit de ce nom. Or, c'est un processus long, coûteux financièrement et en temps agent. D'ailleurs, je tiens d'ailleurs à remercier ici Audrey Plédel et la direction du numérique pour leur investissement en fait présent et à venir sur ce sujet. La ville s'est tournée vers le service archives du Centre interdépartemental de gestion, plus facilement CIG, de la région Île-de-France, qui peut nous accompagner en fait dans le cadre d'une convention en mettant son expertise et des agents à notre disposition pour mener deux missions, l'identification des données entrant dans le champ du système d'archivage électronique et la refonte en fait, des arborescences et le nommage des fichiers. Chacune des missions est répartie sur 35 jours pour un coût unitaire de 13 440 euros, soit au total 26 880 euros. Donc, l'objet de cette délibération est donc d'approuver en fait, les termes de cette convention avec le CIG pour une entrée en vigueur début mai. Merci beaucoup, M. Consdorf. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Si pas de souhaits d'intervention, on va passer au vote. Des votes contre, des abstentions. À l'unanimité, merci. Et je m'associe évidemment à vos remerciements aux services qui ont contribué à cette préparation de dossier. Nous restons toujours dans des protections données, dans de la mutualisation. Et je vais passer la parole à M. Prado pour une convention mutualisation avec la communauté d'agglomération de Versailles-Grand-Parc concernant un délégué à la protection des données personnelles. Monsieur Prado, oui. En espérant que le micro ne vous trahisse pas. Merci monsieur le maire, bonsoir à tous. Alors effectivement, il s'agit de nommer un délégué à la protection des données depuis le 25 mai 2018, qui est une application du RGPD, qui a été votée en 2016 par le Parlement européen. Toute autorité publique doit se doter d'un délégué à la protection des données.
Son rôle est de mettre en œuvre la conformité au RGPD sur tout ce qui est collecte, traitement. Il doit assurer la conformité des collectes, traitement des données et permettre à tous les usagers d'exercer les droits, comme le droit à l'accès, le droit à l'oubli, le droit à la rétractation. Et d'autre part, un seul délégué peut être désigné pour plusieurs autorités publiques ou organismes, compte tenu de leur structure et de leur taille. Dans notre commune du Chesnay, on avait un délégué qui avait été nommé le 25 mai 2018, qui est actuellement directeur général adjointe. Comme elle quitte ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, il a été paru nécessaire de la remplacer. Et également, il est apparu intéressant de se rapprocher de Versailles Grand Parc, qui avait déjà mis un délégué partagé pour ceux de ses membres, puisqu'à l'époque, il y avait 15 communes qui avaient adhéré à la convention de Versailles Grand Parc. Le Chesnay, comme avait déjà un délégué, elle n'avait pas pu rejoindre ce groupement de communes. Donc cette option permet également de bénéficier d'un outil de gestion qui est mis en place par le prestataire qui s'appelle InfoTep. C'est un logiciel de gestion de conformité au RGPD. Et d'autre part, ça permet de réaliser d'importantes économies que si on avait dû faire appel à un cabinet privé. Le coût de l'émission est estimé par les services à 8000 euros maximum en année pleine, plus 8% de frais d'administration générale. La convention entrera en vigueur le 1er juillet 2018 jusqu'au 31 décembre 2021. Ensuite, il y aura des prolongations chaque année. À son terme, donc, cette convention a vocation à être renouvelée par délibération des assemblées délibérantes. Et cette convention s'applique également aux villes signataires et aux éventuels CCS. Merci beaucoup, Monsieur Prado. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur la délibération ? Pas de souhaits, nous allons passer au vote pour décider de mutualiser cette fonction et d'approuver la convention de mutualisation avec Versailles Grand Parc. Des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci. Nous allons terminer l'ordre du jour de ce conseil avec une délibération traditionnelle, mais je voudrais souligner, avant de passer la parole à Monsieur Ribert, l'amélioration sensible et la lisibilité et la richesse des informations données sur donc, la mise à jour du tableau des effectifs et des emplois. Monsieur Ribert, vous avez la parole. Monsieur le maire, merci. Effectivement, résolution habituelle, même si celle-là a un caractère spécial puisqu'elle prend en compte les différents engagements qu'il y a dans le budget, et donc il y a plus de créations que d'habitude. Alors il y a quatre grandes parties finalement à cette présentation. La première correspond à des modifications de statut d'employés ou de personnes qui sont déjà dans la collectivité, des transformations de contrat, entre autres Chantier Yvelines, qui pour information est un prestataire avec lequel on travaille pour des gens qui sont en insertion, qu'on garde en général 2 ans. Au bout de 2 ans, il y a le choix soit de passer sur un autre contrat d'insertion, soit dans certains cas d'avoir trouvé des gens qui sont de qualité, et donc dans toute logique de les insérer dans les agents de la ville en tant que contractuels. Il y a des changements de statut issus de contrats d'apprentissage. Il s'agit par exemple de transformer un contrat d'apprentissage actuellement qui arrive à son terme de 2 ans en septembre prochain en emploi permanent au niveau des ressources humaines. Et enfin, le changement de statut d'un agent qui est déjà dans la collectivité mais qui est vacataire et qui sera aujourd'hui mis à temps non complet puisque finalement ces vacations sont de plus en plus importantes et il était en toute logique et économiquement intéressant de le proposer un emploi à temps non complet. La deuxième partie, effectivement, est plus sur des emplois et des créations pures. 2 adjoints techniques, dont une est une ASEM. Alors pour le coup, évidemment, on a une forme de contrainte et de logique dans la ville, c'est qu'une ouverture de classe amène une ASEM. Et donc, encore une fois, sur ces 2 créations, il y en a une qui est liée finalement à l'ouverture d'une classe. Un adjoint administratif qui aura pour vocation à finalement améliorer la prise en charge de différentes tâches administratives au niveau des techniques et de permettre aussi, en lien avec ce qu'on a énoncé sur le budget, finalement de pouvoir réellement déclencher le budget en particulier d'investissement et non pas de voter bêtement des sommes et de les proposer aux administrés des sommes importantes mais qui ne sont jamais déclenchées puisqu'aujourd'hui on n'a pas les ressources RH pour les mettre en œuvre. 2 emplois de techniciens territoriaux,
entre autres, un pour dessinateurs projecteurs, puisqu'aujourd'hui, on fait appel à beaucoup de sociétés de prestations externes qui sont coûteuses. Et on a toute la masse critique en termes de travail pour pouvoir proposer un emploi. Et en fonction de surveillants de voirie, un sujet qui a été relevé, effectivement, on a aujourd'hui que 2 personnes pour surveiller et travailler sur les 40 km de voirie. Il est évident que la charge de travail amène à améliorer les conditions RH de ce service pour pouvoir, pareil, suivre les travaux à venir. Un emploi de technicien pour renforcer l'équipe de service urbanisme afin de finalement pouvoir aussi améliorer les services régaliens de ce service, entre autres les suivis de permis de construire ou encore les services d'hygiène qui aujourd'hui finalement ne sont pas menés à plein de par la charge de travail du service. Un emploi de rédacteur ou de technicien qui sera là pour assurer les fonctions de responsable de stationnement, qui est ensuite il y a eu un départ en retraite début 2020 de la précédente responsable du service stationnement. Et le service stationnement a été placé de façon provisoire sous l'autorité du responsable de la police municipale, qui avait demandé une période d'observation. Et donc maintenant, elle arrive à son terme de cette période. Et le responsable de la police est demandeur de la mise en place d'un responsable. Enfin, la création d'un emploi d'attaché, mais qui, il est important de le noter, est finalement créé pour prendre une partie du travail qui était aujourd'hui pris par Madame Ripoll, qui part en retraite. Donc, on est sur un remplacement de retraite. Donc, vous voyez, finalement, en net, dans cette partie-là, on a 8 créations d'emplois, dont une ASEM et un remplacement de retraite, ce qui nous approche plutôt de 6 créations nettes d'emplois. Enfin, une partie sur un recrutement pour justement pérenniser le savoir-faire des équipes en régie de 3 apprentis, menuisiers, maçons-plaquistes et archivistes. Et pour finir, une suppression de poste qui était ouvert, hein, qui est un poste d'ingénieur, puisque nous avons recruté notre DST au niveau du grade d'ingénieur principal. Et comme vous l'avez peut-être noté, on ouvre souvent plusieurs grades de façon à pouvoir avoir différents profils en recrutement, et une fois qu'on a recruté la personne à son grade, on ferme le poste qui a été ouvert, histoire d'avoir un tableau des effectifs cohérent et non pas avec pléthore de personnes. Donc la charge budgétaire nouvelle pour ces créations de postes est estimée à 170 000 euros pour l'année 2021 et à 398 000 euros en année pleine. Évidemment, ça ne prend pas en compte les déductions qui seront faites sur les postes qui seront non reconduits en 2022. Merci, Monsieur Ribert. Souhait d'intervention de Monsieur Gorce. Vous avez la parole, Monsieur Gorce. Merci. Sans surprise, donc, hein, sur cette délibération, nous on a fait le décompte. Alors, à l'instar de ce qui vient d'être dit, et donc on a bien 4 catégories. Hein, une catégorie internalisation de personnes qui étaient dans des sociétés de services. Et là, clairement, on perd de la flexibilité de la charge financière, puisque dès lors que les gens sont intégrés, sauf exception, mais enfin ils ont vocation à rester, on le sait bien. Donc après il y a des intégrations, et l'intégration, donc c'est en particulier, moi j'ai dans le tableau que j'ai préparé, donc c'est le contrat d'apprentissage. Les remplacements sont au nombre de 2 et donc les créations sont au nombre de 10. Alors moi j'ai souvenir quand même il y a quelques mois l'ancienne opposition nous demandait où étaient les économies du rapprochement entre le Chesnay et Rocancourt. Je constate que pour ce qui concerne les effectifs, on ne voit pas s'opérer de gains liés à ces rapprochements. Pour notre part, donc dans la lignée de ce que on a pu dire tout à l'heure, donc on votera contre cette délibération. Dont acte. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention? Si pas d'autres souhaits d'intervention, vous allez passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Donc 3, je présume. Pas d'abstention. Délibération adoptée à la majorité et qui clôt l'ordre du jour du Conseil. Avant de passer à la question de diversité des souhaits d'intervention sur les décisions, Madame Nocringer. Oui, merci beaucoup. Ma question porte sur la décision numéro 11 qui porte sur la réalisation d'une étude de capacité de faisabilité d'aménagement urbain sur le domaine de Volusso. Et ma question est simple, c'est est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, nous apporter des précisions sur cette décision et sur cette étude de capacité à venir?
Alors oui, naturellement, cette décision, donc, je l'ai prise pour que la ville soit en situation de pouvoir porter une vision, plusieurs visions, puisque nous faisons travailler différents scénarios sur ce que pourrait être l'aménagement du secteur dit du terrain de l'INRIA, si d'aventure, je mets beaucoup de si parce que nous n'avons ni la maîtrise du terrain ni la maîtrise du calendrier, si d'aventure ce terrain se libérait et qu'on venait voir la ville en disant « et alors qu'est-ce que vous feriez de ce terrain si on vous en laissait la jouissance ?» Les seules esquisses que nous avions dans nos cartons en arrivant faisaient état d'un projet de dépôt de bus qui avait été étudié par Versailles Grand Parc. Donc c'était relativement pauvre et il nous est apparu nécessaire de nous faire accompagner par des gens dont c'est le métier, donc des architectes urbanistes, pour avoir une vision, mais je mets tout au conditionnel, parce que à l'heure où nous parlons, l'INRIA est toujours en place. Ça fait plusieurs années qu'on parle du possible départ de l'INRIA. Voilà, donc il y a un petit côté serpent de mer. Pour autant, il se pourrait que cette année voit des décisions un peu structurantes se prendre, et je ne voudrais pas que, si ces décisions se prenaient, nous soyons complètement dépourvus de vision. Donc il faut se faire accompagner. Donc bien évidemment, une fois que ce travail sera terminé, il sera très largement partagé. C'est un travail un peu prospectif, hein, parce que je le redis, aujourd'hui, on a juste à peu près l'assurance que ce n'est pas nous qui déciderons seuls de devenir de ce terrain. Mais je ne voudrais pas que la ville soit sans vision sur le sujet. Vous savez que le foncier disponible est relativement rare dans notre commune, donc il est important, compte tenu du contexte général, à la fois en matière de logement social, mais pas que, mais en termes d'activité, nous ayons une réflexion approfondie sur la manière d'aménager ce terrain, qui est un terrain à la fois intéressant, mais difficile à aménager, parce qu'on est vraiment en extrême ouest de la commune, du mauvais côté des départementales. Donc il y a vraiment besoin d'être accompagné pour en tout cas porter une vision cohérente de ce que pourrait être le devenir de ce terrain. Et pour ceux qui ont suivi l'actualité de la ZAC du Bourg, vous savez qu'on parle d'horizon de 5 à 10 ans, 5 ans si ça va très très vite, et 10 ans si ça va un peu moins vite. Donc on est vraiment dans la prospective. Mais je crois qu'il était nécessaire que nous engagions cette étude rapidement, puisqu'on évoque la possibilité qu'à l'été, l'État prenne des décisions sur le maintien ou le déplacement de l'INRIA, auquel cas il faudrait être en situation de pouvoir dialoguer avec la préfecture, avec le département, avec un certain nombre d'acteurs qui pèseront sur le devenir de ce terrain. Voilà, donc cette étude devrait être livrée à la mi-mai, donc bien évidemment on la partagerait largement en commission urbanisme, mais je pense en séance plénière du Conseil, parce qu'il n'y a pas de secret, c'est important qu'on puisse partager avec vous les différents scénarios qu'on fait travailler aujourd'hui, mais qui sont là aussi pour nous éclairer sur le potentiel de ce terrain et les compléments que nous pourrions apporter à ce qui existe aujourd'hui sur la commune nouvelle, tant sur la commune historique du Chesnec que sur celle de Roquencourt, et sur celle de Roquencourt, tant sur la partie qui était connectée au Chesnec que sur la partie nouvelle qui émerge et qui est en vis-à-vis de ce terrain qui pourrait se rendre disponible. Voilà ce que je pouvais dire à ce stade. Merci beaucoup. Je vous en prie. Si pas d'autres souhaits d'intervention sur les décisions, je vais passer la parole à Madame Bilger qui nous a posé une question diverse. Vous avez la parole, Madame Bilger. Oui, merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, vous nous avez annoncé brièvement, à la fin du dernier conseil municipal, la modification de certains tracés de bus. Si nous l'avons bien compris, la ligne 1 démarrerait à la ZAC du Bourg et ne desservirait plus la mairie de Roquencourt, alors que les lignes 5 et 9 démarreraient au centre commercial. Si vous nous confirmez bien ces modifications, pouvez-vous nous fournir des explications sur les points suivants ? Quel aménagement prévoyez-vous pour le quai de régulation de la ligne 1, qui doit accueillir 3 bus ? Où se situera-t-il précisément afin de ne pas nuire à la sécurité et à la fluidité de la circulation, surtout après l'arrivée des commerces dans la ZAC du Bourg ? De nouveaux arrêts sur la ligne 1 sont-ils prévus pour desservir ACA ? Où seront situés les quais de régulation pour les lignes 5 et 9 dans un environnement déjà surchargé de bus autour donc du centre commercial ? Et enfin, le CCAS, dont l'accès aux seniors sera plus difficile, restera-t-il bien à la mairie de Roquencourt ? Je vous remercie. Bien, merci pour toutes ces questions tout à fait légitimes et je vais passer la parole à une personne qui suit avec moi le dossier depuis longtemps, Madame Majou. Je vous laisse essayer d'apporter le maximum de réponses à Madame Bilger. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir Madame Bilger. Alors, je vais vous redécrire le schéma qui est prévu d'être mis en place à l'été. La ligne 1 va être en terminus au centre commercial de Parly 2. La ligne 5 ne change pas.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de besoin d'aménagement supplémentaire sur le territoire de Rocancourt. En revanche, nous travaillons avec le département pour la création d'un arrêt de bus, puisque cette ligne a presque au droit de la société ACA, entre la rue de l'Horloge et la rue de l'Étang, une particularité, c'est qu'il y a un arrêt dans un sens et il n'y en a pas dans l'autre. Donc cet arrêt, il est nécessaire. La traversée piétonne sécurisée, elle est nécessaire aussi, à la fois pour les habitants de ce quartier, de l'Horloge ou de la rue de l'Étang, et avec l'arrivée de la société ACA. On espère beaucoup aussi que cet aménagement permettra de pacifier la circulation entre cet endroit-là et la rue Louis-Pelin. Donc on essaie petit à petit de repousser l'apaisement de la circulation aux limites de la commune. Pour la ligne 1, donc qui sera en terminus au centre commercial de Parly 2, les quais de régulation seront installés le long du avenue Charles de Gaulle, le long du bâtiment La Paire. Le linéaire nécessaire, il est suffisant. Et ces arrêts de régulation seront mutualisés avec d'autres lignes qui aujourd'hui régulent déjà à cet endroit-là. Les toilettes définitives, cette fois, seront aussi installées dans cette zone-là, les toilettes pour les conducteurs et les conductrices de Phébus. Il n'y a pas de bus supplémentaire à cet endroit-là. La ligne 1, elle y passe aujourd'hui dans les deux sens. Ce qui change, c'est que là, les bus vont s'arrêter d'un côté de la voie, faire leur demi-tour sur le rond-point de Marly et repartir dans l'autre sens. En ce qui concerne la densité des bus dans cette zone, c'est vrai, elle est importante. Elle est historiquement, enfin, elle est intrinsèque à la réforme du réseau Phébus, pour des raisons d'attractivité de la zone, je suppose, avec la présence du centre commercial et des bureaux ou des autres commerces qui existent aussi dans la zone. Ce point-là ne change pas. Concernant la desserte du CCAS, aujourd'hui, en fait, nous avons pu constater qu'il y a relativement peu de nos seniors qui viennent au CCAS en transport en commun. Ils ont souvent, plus ils sont âgés, plus ils ont peur de prendre les transports en commun. Ce qu'on a constaté également, c'est qu'il y avait aussi des conflits de circulation sur la rue de l'Étang entre les bus qui remontaient la rue et les voitures ou les véhicules qui sortent de la départementale. Donc c'était un point qui était gênant et pas sécuritaire du tout. Heureusement, nous n'avons pas eu d'accident, mais ce n'était pas du tout optimal. En ce qui concerne la desserte du CCAS, c'est vrai qu'il n'y aura plus de desserte de bus. En compensation et pour nos seniors, ce que nous allons expérimenter à partir du mois de septembre de cette année, c'est la navette à la demande dont on a déjà parlé, que ce soit pour aller au CCAS ou pour aller à un rendez-vous médical, par exemple, ou pour toute autre activité. Cette expérimentation, elle sera lancée en septembre. Encore une expérimentation, parce qu'aujourd'hui, il est difficile de qualifier les besoins et précis des personnes. On sait qu'il y a une forte attente de la part de nos seniors sur un service de cette nature, mais il est difficile à qualifier. Donc on expérimente d'abord, on recueille les avis, les besoins, et après on pourra pérenniser le dispositif. Voilà. Je vous remercie. Alors j'ai vraiment une remarque de fond sur la ligne 1, puisque il y avait beaucoup de remontées en fait des usagers et non pas des riverains. Hein, on est bien d'accord, parce que les riverains sont ravis de ce qui se passe, on est tout à fait d'accord là-dessus. Diminution des trafics sur l'axe Pelin-Mouxouris et élimination du quai de régulation, on l'a assez suivi. Par contre, en termes d'usagers, il y avait une attente forte sur la ZAC du Bourg, justement que ce soit la ligne 1 qui soit là et non pas la ligne 5, et il m'aurait paru pour le coup beaucoup plus judicieux, et c'est vraiment ce que j'avais compris, que cela se passe dans ce sens-là, d'autant plus que les quais de régulation, j'insiste, de la ligne 1 dans la bord donc du centre commercial, là où vous l'évoquez, me semble difficile, et encore emboliser encore plus le rond-point de Marly, et donc notamment l'accès à la route de Saint-Germain. Donc voilà, c'est une interrogation de ma part sur ce sujet, et je trouve vraiment dommage, une fois de plus, que ce sujet ait été fait sans consulter du tout ni les élus, ni les gens concernés, en l'occurrence les riverains. Et c'est sur ce sujet vraiment
quelque chose qui, sur lequel nous ne sommes pas en phase du tout, notamment sur le principe d'écoute, sur lequel nous ne nous retrouvons clairement pas. Voilà. Alors, je vais répondre à cette question-là. Vous savez que sur ce sujet-là, qui existe en fait depuis que le nouveau réseau Phébus a été mis en place en 2019, nous avons écouté les riverains, nous avons écouté les riverains des axes Mauxouris-Pelin, nous avons discuté aussi avec des riverains du bourg. Il y a eu 15 scénarios différents construits pour à la fois tenir compte des besoins des usagers, de l'arrivée de la société ACA dans le secteur et des nuisances et des risques sécuritaires qui existent encore sur l'axe Mauxouris-Pelin. Je rappelle que l'autorité organisatrice des transports, ce n'est pas la commune du Chesnay-Rocancourt, c'est Île-de-France Mobilité. C'est Île-de-France Mobilité qui a choisi, dans les 15 scénarios qui étaient proposés, celui qui sera mis en place et qui règle beaucoup des problèmes que nous constations ou qui nous étaient remontés par les habitants sans pénaliser les usagers. J'entends ce que vous dites et je suis d'accord avec vous. Si j'avais eu à choisir moi, ce n'est peut-être pas ce scénario-là que j'aurais choisi, mais un autre. Sauf que l'entité organisatrice, c'est Île-de-France Mobilité. L'autorité organisatrice, ce n'est pas nous. Ce qui a motivé le choix de ce scénario, c'est la présence des lignes 17 et Express 1 qui desservent le bourg de Rocancourt en complément de la ligne 5. Et qu'à aujourd'hui, ou même à demain, peut-être pas après-demain, mais à aujourd'hui et à demain, cette offre de bus est-elle largement suffisante par rapport au relevé de fréquentation des bus que l'on note aujourd'hui sur ces lignes qui existent depuis le bourg de Rocancourt. Voilà. Bien. En fonction des projets d'aménagement qui pourront avoir lieu dans la zone, je pense qu'on pourra revenir sur ce sujet. Voilà, et en complément de ce que vient de dire Madame Majou, moi je ne peux pas souscrire à ce que vous dites sur le fait que les élus n'aient pas été associés. Les élus, l'équipe majoritaire qui représente la ville a été associée en sa qualité de commune. Versailles Grand Parc a été associé aux travaux. Île-de-France Mobilité, à un moment, a pris ses responsabilités sur la base de scénarios qui ont été travaillés, challengés, qui ont tenu compte des intérêts du plus grand nombre. On ne satisfait jamais tout le monde. Bien évidemment que voilà, y a des intérêts qui sont plus portés par les riverains, d'autres qui sont plus portés par les utilisateurs. Après, il y a des réalités aujourd'hui de trafic. Peut-être que demain, des choses bougeront. Et je rappelle que chaque année, il y a des possibilités de modification. Et en ma qualité de vice-président de transport à Versailles Grand Parc, je vais examiner cette année sur l'ensemble du territoire des modifications des SERP. Donc si demain, effectivement, le projet de l'INRIA se concrétise, l'activité, on verra de quelle manière les salariés d'ACA se déplacent, nécessite un renforcement de l'offre de bus. Île-de-France Mobilité sera à l'écoute des territoires et nous porterons la réalité des changements de comportement des usagers du transport. Ce qu'on ne sait pas dire aujourd'hui, c'est de quelle manière nous nous comporterons collectivement en matière de déplacement à la sortie de cette crise Covid qui a vu un développement considérable du télétravail. Donc il y a un certain nombre aujourd'hui de modèles de transport qui vont devoir être rechallengés. Je rappelle que ce sont quand même des sommes considérables qui sont mises sur la table par Île-de-France Mobilité derrière le Conseil régional Île-de-France et donc nos impôts. Et donc je suis bien incapable de dire demain, dans 2 ou 3 ans, comment se comporteront les gens qui, hier, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui les bus sont malheureusement trop peu remplis, comment les gens qui consommaient du transport public hier en consommeront demain. Et il est possible qu'on ait des changements assez significatifs dans les moyens qui seront mis pour se déplacer. Donc je crois qu'il est à la fois urgent d'attendre, il fallait apporter une réponse rapide à un certain nombre de problèmes de conception. On a profité de la fenêtre de tir que nous ouvrait Île-de-France Mobilité pour corriger un certain nombre de choses. Et s'il faut dans 1 ou 2 ans rebouger, eh bien, il y a des instances et il y a des manières d'adapter ces réseaux de transport qui sont vivants. Voilà. Il se trouve que là, on va avoir besoin d'un peu de stabilité parce qu'il va y avoir un appel d'offres important sur le secteur donc desservi aujourd'hui par l'opérateur Keolis. Et donc pendant cette période d'appel d'offres, l'autorité organisatrice demande une stabilité du réseau. Et dès que cet appel d'offres sera passé, c'est-à-dire d'ici 18 mois, 2 ans, on pourra repartir, et ça tombe bien en termes de calendrier, ça correspondra à l'arrivée effective d'ACA, et j'espère qu'on aura un peu de visibilité sur le devenir de l'INRIA, on pourra remonter au créneau et adapter ce qui devra être adapté sur ce secteur de la commune. Voilà ce qui pouvait être dit sur les bus. Nous arrivons vraiment au terme de ce conseil. Je reviendrai vers vous très rapidement pour vous indiquer les dates des 2 prochains conseils. Il y en aura
hein, au mois de mai, au mois de juin. Je vous préavise dès à présent, compte tenu de la situation sanitaire, que par défaut, nous passerons dans un conseil de type distanciel avec l'utilisation des moyens vidéo, ce qu'on n'a pas encore expérimenté. Je souhaitais et que ce conseil particulier, qui est le vote du budget, puisse se tenir en présentiel, même si la situation sanitaire aurait peut-être pu nous amener à basculer sur un autre mode. En tout cas, pour le prochain conseil, sans préjuger de ce que sera l'actualité sanitaire, préparez-vous à ce qu'il soit en distanciel, non pas que je ne souhaite pas vous avoir en vrai en face de moi, mais puisqu'on on a voté une délibération qui nous permet de nous doter de ces moyens, on va essayer d'être prudent, et si la situation sanitaire s'est améliorée, je serai ravi de vous revoir en vrai. Très bonne soirée à toutes et à tous, et à très bientôt.